Vous savez, je suis Québécois, mais j'aime bien les tropiques. C'est pour ça que j'ai acheté mes tickets chez Sol Tropical à Saint-Roch-de-Lachigan. Un produit 100% québécois, 20 ans sans perdre sa couleur et une espérance de vie de plus de 50 ans. Vous pouvez faire comme une cuisine extérieure, votre chambre d'invité ou même votre propre podcast. Ici Jacques Rougeau. Faites comme moi et amenez le soleil chez vous avec Sol Tropical. La vie est tellement plus belle. Ça va bien? Oui. Est-ce qu'on va où présentement? On va voir les gens qui sont pas bien. Oui, oui, en fait, M. Rougeau est situé au terrain 6. Juste après là? Oui. Vous devez vous rendre au bout de la rue, tourner à droite, vous revenez sur vos pas par la droite et c'est situé là. On n'oublie pas, sur le terrain ici, c'est 10 km/h. Qu'est-ce que tu as pas voulu dire? 10 km/h. Bon. Okay. Merci. Salut. Bonne journée. Hey, le voyeur, on est pas au Club Med, c'est... Jacques! Hey! C'est mon idole! Incroyable! Hey! Il s'est mis en monté, Marc Boileau! C'est tellement hot! Bienvenue! Comment tu vas? Caroline! Hey, depuis le temps... Content de te voir! C'est malade! C'est ton, ton podcast, ça va être que... Puis j'ai une surprise pour toi, tu ne créeras pas. Une huge, là. Une méchante surprise. Suis-moi, ça va au podcast. OK, c'est bon, c'est bon. Suis-moi. Méchant char, ça? Ouais. Je te suis. Viens-t'en. Là, je vais vous dire un secret, hein, que à peu près aucune fille sait. C'est la technique de la vulnérabilité, OK? Pour pas faire la femme forte... Marc Boileau! Le podcast, c'est pas ici, c'est là-bas. Suis-moi. Je voulais juste vous dire que Chantal, je le sais, c'est pas son vrai plan. C'est une excellente technique, t'as bien fait. On s'en va, tu fais ça. Et attends, mon mâle. À la prochaine. Bye. Amène ton char, puis suis-moi. OK. OK. Oh, là, c'est drôle. On l'a pas vu. Alors, pas les femmes, tu vois. On l'a pas vu. Hey! D'habitude, je dis bon, ouais, JF est là, mais JF est rendu là-bas! Salut, JF! Ça va? Marc Boileau, bienvenue! Je suis tellement content que t'es ici. On a tellement une histoire à compter, toi puis moi. Comment ça va, mon chum? Jacques Rougeau, d'abord, avant de commencer, je veux dire merci, mais merci au nom de tout le monde qui nous écoute. Enfin rassemblés dans le même podcast les deux plus grands lutteurs du Québec. Wow! C'est ça que je voulais, à l'intro, te dire. Enfin, nous sommes réunis. Mais t'es bien plus hot avec les femmes, bon, parce que t'es long à venir au podcast. Ouais, mais là, c'est peu ça, c'est un accident de parcours. Ils m'ont obligé à aller là. Ah, OK! Mais moi, je m'en venais direct ici. Ah, OK, OK! Ben, en tout cas, on est tellement contents. Puis sur mon Facebook, partout. Puis moi, Marc, tu sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, là. Oui. Puis on s'est perdu de vue un peu. Ouais. Fait que c'était un peu pour ça que je suis content, parce que je veux te parler de toutes sortes de choses. Mais la première chose, Marc, que je veux te parler, oui, que j'aime parler avec mes invités, t'es-tu marié? Je suis célibataire actuellement. T'es célibataire? J'ai été le plus souvent, moi, dans ma vie, j'ai été beaucoup plus célibataire que marié. Ah oui? Oui. Fait que l'affaire que tu faisais, mettons, que je te connaissais dans le temps avec les femmes, ou séduire les femmes, ou comment séduire les femmes, puis tout ça, ça a joué contre toi un peu de bord? Pas du tout. Au contraire, non. Ça a rien fait. Mais t'as pas opéré une femme si t'as été tout seul, bon? Ben, la vraie question, c'est ça me tente-tu? Wow! Holy shit, Marc Boileau! Ben oui, mais ouais, pour moi, c'est même pas un mystère. Si tu... Pour vrai? Ben, je veux dire... Toi, t'as mieux la vie célibataire. Oui, clairement. J'avais 20 ans, genre, je me souviens, j'étais à l'Université Laval, là, puis je me disais... Je me souviens de ces réflexions-là. Puis je me disais, comment ça se fait qu'ils sont tous matchés? Ça donne quoi d'être matchés? Vraiment? Ben, Je vais te dire mieux que ça. Je t'ai montré comment ça... On a ça à la naissance, à quelque part. Oui. Tous nos traits de caractère, on a ça à la naissance. Un jour, j'étais chez ma sœur, parce que moi, je viens d'une famille. Mon père, ma mère, mariés pendant 60 ans, sont tous matchés. Vrai? Ben oui.
Moi, j'ai eu. Puis tu m'entendras jamais chialer contre ni le couple ou je suis pas contre ça. Mais juste te dire d'où je viens dans ma tête, là, j'étais chez ma sœur, elle reste au Connecticut. Puis j'étais dans la chambre d'amis, tu sais, parce que j'y allais souvent. Puis il y avait une revue à côté, une espèce de revue de la haute société du Connecticut. Comprends-tu? Qui était exactement. Un c'était une autre société dans Connecticut, c'est riche. Exact. Puis c'est... Bon. Puis là, je regardais ça, là, puis entre autres, il y avait des reportages, des mariages qu'il y avait eu dans le dernier mois. C'était un mensuel. Puis je regardais ça, là, comme un National Geographic. Comprends-tu? Pas tout à fait, mais je vais arriver. Je regardais ça comme si c'était une autre planète. Genre, ah oh, ouais, il y a du monde qui se marie, ils mettent ça dans une revue. C'est quoi l'intérêt? Ça n'a pas d'intérêt. Ton père et ta mère, ils s'aimaient-tu? Ben oui. Moi, j'ai été élevé. Toi? Ben oui. Moi, j'ai été élevé. C'est peut-être une des raisons, genre. Peut-être que moi, je suis le quatrième d'une famille de quatre avec mes deux grandes sœurs, mes parents, ma mère qui était à la maison. Un grand frère aussi. Un grand frère. Qu'on s'entend tout très bien. On s'est vu, on a passé quasiment une semaine ensemble à Québec. Ouais. Moi, je pense que j'ai reçu beaucoup. Fait que ce que ça a fait, c'est que je suis devenu un peu self-sufficient. Absolument. Je pense que je suis quelqu'un qui est particulièrement autonome. T'es pas un gars qui est indépendant affectif. Dépendant affectif. 0%. 0%. Fait que tu te ramasses tout seul. Tu pourrais même aller sur une croisière tout seul. Ben, écoute bien ça. Écoute bien, je suis content qu'on parle de ça. C'est intéressant. Récemment, ça fait même pas 6 mois de ça, parce que moi j'ai donné des shows à Paris. Hein, c'était mon plus grand rêve. Oh, vrai? Ah oui, j'ai donné 100 spectacles à Paris. En de l'humour? Oui. C'est le sac de stand-up. Quand j'étais en 2009. Je savais pas que tu faisais des stand-up. Ben, à l'époque, j'ai recommencé même à faire des shows. Mais bref, écoute ça. Je repensais, parce que tous les jours, je pensais à ça. C'était une expérience extraordinaire. Ça devait être comme toi à WrestleMania 3. Là. Tu repenses à ça, c'est sûr. 93 000 personnes, c'est quelque chose. C'est hallucinant. Je repensais à ça, tout à coup. Je me disais, hey, je me souviens à quel point j'étais heureux des soirs que je sortais. Il y avait des soirs misérables. Puis il y avait pas le monde. Ils vont me dire, j'ai joué à Paris, je suis une grande vedette. Non, moi, je jouais dans une petite salle. Puis c'était un trip. J'étais seul au combat. Là. Je m'autoproduisais. Mais il y a des soirs où ça marchait à mort. Puis je revenais. Puis je me souviens encore là, dans les petites rues à Paris. Ah oui, je suis allé. Je sais exactement de quoi tu parles. Puis je me suis mis à penser, c'est quoi les plus beaux moments de ma vie? Les plus grands moments de bonheur de ma vie? Puis là, je pensais, hey, la fois, je m'étais baigné au lac au sable. 8 heures le matin au chalet de la famille et tout ça. Après ça, l'autre fois où je faisais du vélo en Floride. Autrement dit, tu pensais à des affaires matérielles et non en couple. Non. Mais voilà. Les plus beaux souvenirs que j'ai, les plus grands moments de bonheur que j'ai, je suis tout seul. Ben voyons donc. Ouais. Fait que nous autres, on n'a pas de chance de passer un bon moment aujourd'hui. Ça n'a rien à voir, je suis une bête sociale, je connais tout le monde. J'écris des livres sur la communication. Mais t'es pas tout seul. Ben c'est ça, c'est quand le monde dit. Il y a des fois des gens qui disent, depuis quand t'es tout seul? Je dis, jamais tout seul, je suis célibataire, c'est pas pareil. Mais je suis pas tout seul, je suis entouré de façon exceptionnelle. J'ai un entourage genre exceptionnel. D'ailleurs, vois-tu comment nous autres, on a connecté vite? Ça n'a pas été long, là. T'es venu pour ma fête en surprise, puis on s'est jamais lâché. Bon, mais. Je veux dire, je n'ai que des gens d'exception avec moi, honnêtement. Là, je te le dis, il faut que je te le dise, parce que quand je t'avais invité comme ça, ma femme, elle m'avait dit à moi, elle dit, lui, là, elle a dit une blonde qui est belle aux yeux bleus. Elle dit, c'était qui? Tu sortais pas? Ah, il dit, c'était qui? Prends un numéro! Mais non, mais. Noël, c'était. Mais t'avais pas une travaillette comme. J'ai pas eu. À télévision ou que t'avais en recherche. Oui! Ben oui, c'était pas. Ça n'a jamais été ma blonde. Ça a été. Moi, j'aurais voulu. Toi, elle, j'aurais vraiment voulu que ce soit ma blonde. Pour vrai. Puis oui, j'avais dit, ben clair, on a passé un été ensemble. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, moi, Dick, là, sérieux, là, on est en première vitesse. Là, t'aurais aimé ça être en couple. Oui. Tu vois, une fois de temps en temps, j'ai pogné là, une fille le avec bug. Qui j'ai fait. OK, là, le package. Mais sinon, honnêtement, là, j'ai passé le clair de ma vie à trouver que je suis mieux célibataire. Tu me forces à te poser une question que j'aurais jamais pensé de ma vie, moi, te poser. OK. Ça ne gêne pas de te poser une question? Toutes les questions sont bien. T'as-tu un côté de toi gay, mettons? Non, j'ai pas rien d'homosexuel. T'as rien d'attirance à les hommes? Zéro. Fait que c'est soit que t'es tout seul, ton monde parfait, ou accompagné d'une femme que t'es bien, mais sans attache. Je vais résumer ça plus... Marc Bollard, bouche bée, mesdames et messieurs! Marc Bollard, bouche bée! Je vais te répondre plus simple que ça. Oui. Je pense que tout ça, c'est de l'économie. C'est-à-dire que... Si t'es en couple, c'est que t'es prêt à payer le prix d'être en couple. Comme si t'as un job... Il y a un prix à payer en couple. C'est tout. Dans tout. Moi, le prix à payer d'être en couple, j'ai toujours trouvé qu'il était plus cher que si je suis célibataire. C'est niaiseux de même. M'a-t-on me rappelé d'une phrase que René Angelil a dit une fois, il a dit « Happy wife, happy life ».
En voulant dire que c'est des concessions qu'il faut que tu fasses. Ouais. Si ta femme est heureuse, oui, tu vas être heureux. Ouais, mais, si ta, mais pour la rendre heureuse, ta femme, il faut que tu fasses des concessions. Bon, ben, c'est pas toujours pareil. Fait que toi, au lieu de faire ces concessions-là, t'as mieux rester célibataire. Non, c'est juste que j'en vois pas le bénéfice. C'est quoi ta plus longue relation que tu as eue avec une femme? 2 ans. C'est bon, pareil, 2 ans pour toi. Ben oui. Puis je veux dire, c'est deux. Puis sais-tu quoi? 2 belles années? Ben oui. Toutes les filles que j'ai fréquentées, un peu, un petit peu, pas mal, beaucoup, toutes, sans exception, on peut se rappeler là. Puis c'est sûr, hey, allô, comment ça va? J'attends encore ami. Tout le temps. Oh my God, t'es bon. T'es bon. Je t'ai dit, t'es bon. C'est pas de même avec moi. Non? Non. Okay. C'est pas de même avec moi. Okay. Quand on ferme la porte, on ferme la porte, on rentre plus. Mais autant pour moi. Ça m'est arrivé à moi que c'est quelqu'un qui ouvre la porte, puis c'est arrivé que moi, j'ouvre la porte. Okay. Mais les deux circonstances n'étaient pas plaisantes. OK. Ni un ni l'autre. J'comprends. Quand tu te fais laisser, c'est vraiment pas drôle. Mais quand tu es obligé de laisser quelqu'un, c'est vraiment pas drôle non plus. C'est atroce. Ça, moi, je l'ai vécu à quelques reprises. Là, t'as aucune idée comment c'est le pire moment ever de ma vie. C'est de dire à une fille, OK, sais-tu quoi, finalement, on va arrêter. Mon gars, ça me fait capoter. Je sais pas pourquoi, c'est laissez-moi tout le monde, je vais brailler tout, j'en ai eu des peines d'amour. Mais je trouve ça, la pire affaire, c'est de dire à une fille, on va arrêter de. Quand elle est crinquée, c'est juste comme te coup, bon, ok, ciao, bye. Mais ça, je l'ai vécu, puis je suis comme toi. Moi, peut-être que tu vas me donner une réponse, Marc. Parce que des réponses, moi, j'ai sonné un an, puis des fois, je cherche encore, des fois, crois-le ou non, j'ai sonné un an. Toutes mes femmes que j'ai été avec dans ma vie, là, c'est 8 ans, 10 ans, 10 ans, c'était le maximum 10 ans. Voilà, 8 ans, 10 ans. Puis après ça, je perdais comme la passion. Tu sais, je perdais la magie du couple. Puis, ça finissait par une séparation. Puis là, je suis chanceux parce que là, tu vois, j'étais avec mon chéri, Nathalie. Là. Mais là, ça fait 8-9 ans, là, il est mieux de se checker. Mais tout ça pour dire que j'ai encore la passion avec elle. Tu sais, on vit tellement des belles affaires, mais il vient qu'il manque un petit quelque chose dans le couple pareil après 8, 9, 10 ans. Puis j'entends souvent le monde dire, ben Jacques, ça se travaille un couple, tu sais, il faut que tu travailles dessus. Puis c'est à ça que ça me fait penser quand tu parles de concession. Tu sais, quand tu me dis que peut-être t'es bien tout seul, tu sais, t'es heureux tout seul. Mais en même temps, quand je pense pour 2 secondes de me voir tout seul, maudit que la vie serait plate. Pour moi, ben, je comprends. C'est moi le marginal, hein? C'est moi le marginal. Le différent, tu veux dire. Oui, non, mais marginal, c'est le vrai mot. Ça veut dire quoi, marginal? Ça veut dire que tu es dans minorité, je suppose. La majorité des gens sont pas comme moi. OK. C'est tout. Fait que t'es vraiment un cas différent. Je pense que oui. Je pense qu'honnêtement, les gens, règle générale, veulent être en couple, mais je suis pas sûr que c'est toujours pour des belles raisons. Bien dit. Marc, tu parles tellement intelligemment, je te le dis, tu m'as tout impressionné. Ah ouais. Là, il n'y a pas grand monde qui le savent, je te le dis, parce que quand je les parlais, le monde qui était ici, que tu t'en venais, mais tu étais un avocat, toi. Je suis un avocat. Encore? Je suis membre du barreau, ben oui. Je te crée pas. Oui, je fais mes 30 heures de formation. Tu peux pratiquer encore, représenter quelqu'un. Oui, mais je serais complètement nul. Écoute bien, je fais pas ça à temps plein. Là. Être avocat, c'est un vrai job, c'est pas un sideline. Ça fait que j'ai le titre, je suis membre du barreau, Maître Marc Boilard, officiellement. Pour vrai? Oui. Hey! Oui. Tabarnak! Mais si tu me disais... Pas savoir qui appeler? Non, justement. C'est comme... imagine-moi en cours. Écoute, je pourrais te raconter des anecdotes quand j'étais stagiaire. J'étais allé en cours. Mon but, c'était pas de gagner ou perdre, c'était de faire rire le juge. Tu me dis ça, je pensais, je te vois en cours après dire, « Madame, vous avez pas le tour avec les hommes. » Non. Je l'ai pas vu du tout. Pas que tu vas gagner ta cause, là, mais pour vrai, puis je suis très fier de ça. Waouh! Il n'y a pas grand monde qui savent ça. Quand je parlais, mais. Non, mais c'est incroyable. Ouais. Tu sais, t'as pas juste l'air intelligent. Tu l'es. Hey, c'est fou. Hey, là, je vais te ramener à quelque part. Moi, je vais te ramener à quelque part parce que j'ai tellement eu du fun avec toi. Je veux pas passer mon temps à parler de lutte avec toi. Mais. Ben, moi, j'aime ça. Mais avec Jacques Rougeau, là. Mais la bataille royale que t'avais venu faire, puis je t'avais fait gagner la bataille royale. Extraordinaire. On avait eu du fun, hein. Hey, écoute, chaque dimanche, j'allais pratiquer, tu te souviens? Ben oui. À ton école, on faisait la chorégraphie. Il y avait des petits, il y avait Cédric à 8 ans que mon c'est rôle. Vrai, je m'en prenais à Cédric, coup de pied dans le cul. C'est vrai, tu y avais ben oui, moi, je suis un méchant. À TV, moi, je suis un méchant. Il pas hordu, on peut non, te dire. Non, j'ai vu qu'il était rendu. J'ai jamais revu depuis, mais. Ouais, il y a comme moi. Il est rendu un petit peu plus gros qu'il était à 8 ans. Il est 300 quais. Il pèse à peu près 325 livres, mais pas de gras. Je le sais. Pas de gras, c'est un monstre. Vraiment, même, je questionne si je suis le père. Ah oui, hein?
Mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'il m'a tout traité comme son père. Mais c'est sûr, quand on est posé à côté de l'autre, le monde dit, toi, tu pas ton. Mais ben, ça arrive, il y en a qui disent, c'est ton fils, mais il parle à Cédric. Ouais, exact. C'est ton fils. Ben ouais, c'est moi, fils. Mais il est, si tu le verrais en personne, tu capoterais. Tu capoterais de le voir. Puis mes deux autres gars aussi, c'est tellement le fun. Il était-tu là, mes deux? Jay était là, mon plus vieux de bord. Oui. Jay était là-dedans. Mais c'était sur le plus petit que je m'en prenais. C'est j'étais le méchant, moi, dans tout. Pas vrai. Je te laissais les pieds, tout. Pas vrai. Mais souviens-toi de la descente du coude, j'ai fait le troisième quart. D'ailleurs, on s'est connus. Sur moi, tu parles? Non. Sur Richard. Il s'appelait Richard. Oui, oui, oui. C'est le plus gros. Oui, oui, oui. Mais sur moi aussi, tu m'as fait une descente du coude. C'était quelle place qu'on avait fait ça? C'était mon 30e anniversaire, genre. Oui. Jean-Michel Anctil, tu connaissais des midi fous, c'est quoi? Oui, je travaillais, ben oui. Puis t'avais dit, hey, moi, mon gérant est très petit à la lutte, on fait en secret. Attends, tu dis mon gérant. Ben, j'étais gérant de Jean-Michel Anctil. T'as cru pas? Ben, franchement pas. Coudonc, tu sais rien, zéro, là. T'es encore son gérant? Non, j'ai été gérant d'artiste pendant 12 ans. Toi, tu m'as connu quand j'arrêtais d'être gérant. Avant ça, j'étais gérant Anctil, Morancy, Cabana, Maxime Martin. T'as cru pas? Ben, voyons, c'est tout moi qui ai fait ça. OK, t'apprends ça pour vrai. Ah ben OK, c'est bon, mais je pensais nomme-les, que... Nomme-les, là, Anthony Cavana. Moi, j'ai commencé, j'étais gérant d'Anthony Cavana en 93. Fait que tu bouquais les salles, mettons? Non, j'étais pas producteur, j'étais son gérant, c'est pas le même métier. Fait que c'est quoi tu faisais pour eux autres, les artistes? Mettons, te donner une idée, là, un agent, un gérant puis un producteur, là. L'agent, c'est comme le représentant des ventes dans une compagnie. OK. Puis le gérant, c'est le chef de l'usine. C'est le directeur général de l'usine. Il s'occupe des machines, du staff. Fait que toi, tu voyais sur tout qu'est-ce qui se passait autour de ton âme. Tout. Mais à un moment donné, quand ils font des one-man shows, il y a un producteur. Mais c'est toi le chef. Après ça, ils font des corpos. Mais le producteur, il venait-tu te voir pour dire, est-ce que c'est correct ça, si on fait ça avec ton gars? On faisait ça tout le temps ensemble. Exactement. Wow. Ouais. Mais toi, t'as jamais eu d'agent? Non. T'as jamais eu d'agent? C'est mon frère Raymond qui a de l'agent. Ah, oh, tu veux dire de l'argent? De l'agent! Agent. Non, c'est une joke. Mais t'as pas eu d'agent. J'ai jamais eu d'agent. Moi. Mais pourtant, à la WWE, vous aviez le droit d'avoir des agents, non? Je sais pas. Jimmy Hart, c'est un vrai agent? Mais non, Jimmy Hart, c'est un agent fictif. C'était mon gérant. C'était pas un agent, c'était un gérant. Ouais. Mais par contre, Jimmy Hart, c'est le vrai agent de Hulk Hogan. Ben, c'est ça. Il book ses personal appearance, puis il book ses comic-con. Il deal les contrats avec McMahon. Non. Il a jamais été gérant pour Hulk, pour McMahon. Il a toujours été gérant pour Hulk quand Hulk est parti de la WWF. Puis là, il a commencé. Okay. Il aimait tellement Jimmy Hart parce qu'il était tellement efficace, puis bon. Puis il prenait soin de nous autres. C'est fou comment il prenait soin de nous autres. Fait que là, il est arrivé, puis il a demandé à Jimmy, tu voudrais-tu me représenter comme gérant? OK. Puis ça marchait de même. Mais c'était tout un rôle fictif, les gérants dans la lutte. Ça venait tout. On avait tous nos ordres du grand boss qui étaient transmis aux agents, comme Chief Jay Strongbo, Pat Patterson dans le temps, qui était encore comme agent. Ouais. Tous les agents. Puis là, ils venaient nous voir dans la chambre le soir. Puis là, nous autres, et, hey, c'est pas mon podcast, à moi, c'est le tien. Attends, hein? Ben oui, mais toi, je sais que t'aimes trop la lutte. On va faire un podcast. C'est toi, il va faire le podcast, c'est moi. Mais tu sais, de dire que je me suis rappelé du Royal Rumble. Oui. Ça, c'était l'Arena de Verdun. C'était-tu à Verdun? Oui. Ben plein, 3000 personnes. Ah, on avait shooté pour la TV un sketch en même temps. Pas vrai? Ben oui. J'ai pas de mémoire. Ah, écoute, je rentre avec Mélanie. Tu viens de Mélanie de Testostérone, là? Qui était super. Écoute, tout le monde trippait dessus. Je rentre, mon gars, j'avais tout mon kit de cuir un peu Stone Cold. Rocker? Un peu, là, tu sais. Puis là, c'était le combat final. Puis on avait tout pratiqué. Ben, oui. On a tout rentré un après l'autre. Oui. Toi, t'es rentré dans quelle heure? En dernier. Pour vrai, ben t'es présenté le dernier. Oui, oui. Le monde, mon gars, 3000 personnes. Chou! Parce que moi, j'étais vilain. Oui. Même à TV, t'étais vilain dans tes rôles, autrement dit. Exact, exact. Puis ça, testostérone, là, c'était-tu avant qu'on avait lutté ou après ou pendant? C'était pendant, parce que c'était la saison 1, c'est la saison 2, je pense. Fait que t'étais vraiment connu comme un bad guy aux yeux du monde. Exact, exact. Même pour l'affaire des femmes, maintenant, t'étais-tu bien vu ou mal vu par les femmes? Ça dépendait. Les plus vieilles m'aimaient pas, les plus jeunes trippaient. On pourrait quasiment résumer ça de même. Peux-tu me dire pourquoi? Je comprends pas. Ben, parce que moi, les filles de 20-25 ans qui écoutaient l'émission, là, ce que je disais, là, ça les offusquait pas pour 30 secondes. Ah, oh, mais les anciennes mentalités. Ben, comme tu m'as traumatisé tout à l'heure quand tu m'as dit que tu aimes mieux être seul dans la vie. Bon. Les personnes qui sont plus vieux que moi, mon âge, ils comprennent pas ça. Là. Comprends-tu? C'est ça. Fait que moi, les jokes que je faisais, là, c'était des jokes. Si tu sortais d'un bar, là, c'était comme, ben oui, tu sais, d'attitude. Mais pour toute l'autre clientèle, plus vieille. Tu dénigrais-tu les gars, mettons, qui étaient aux femmes et qui savaient pas comment, ou t'étais-tu vraiment vilain à ce point-là? Ou... Oui. Écoute, moi, quand on préparait l'émission, là, oui. OK, j'arrivais et je disais, hey, moi, mon sketch cette semaine, ça serait ça. Quand les gars réagissaient pas, Massicotte, Mike, Jean-Michel Dufault, quand ils réagissaient pas, je faisais quoi? C'est pas assez hard? OK, je vais rajouter ça. Tu veux dire que c'est pas assez vilain? Moi, j'étais dans la pure provocation. Là. Okay. Pure, là. C'était mon rôle.
Moi, j'étais inspiré par Jacques Rougeau. C'est pas une farce. C'est très drôle. J'étais pas inspiré par un autre humoriste. J'étais inspiré par des lutteurs. Moi, je suis arrivé à TV de façon consciente, comme étant un vilain, un méchant. J'étais. Écoute, j'ai fait les deux pires offenses que tu peux faire à TV, être macho puis prétentieux. Tu peux pas faire ça à TV québécoise. Moi, j'ai fait les deux. Mais écoute, c'était succulent. Mais t'étais tellement hot, puis veux-tu tout te le dire... monde pensait. La question qui venait tout le temps, c'est y es-tu de même dans la vraie vie? Quand j'entendais ça, je me disais ma game a marché à mort. C'est sûr. Tu comprends? Mais parce que t'étais pas de même dans la vie. Pas zéro. Le gars que tu connais, on se connaît un peu. T'as-tu l'impression que c'est un macho prétentieux d'après toi, là? Ben, je vais te dire, je croyais tellement à ta gimmick, mais je la voyais pas parce que j'étais pas un suiveux de testostérone. Mais tout le monde jasait de toi dans différentes régions, puis de la manière qu'il parlait de toi, c'est. C'était pas tout positif. Vrai, mais je te repose la question. Le gars que tu connais, là, on se connaît depuis oui, 15 oui. ans. Oui, oui. T'es un amour. T'sais. Non, mais t'as-tu l'impression que. Ou alors, je lis entre les lignes. Il est macho, puis il est prétentieux. T'as-tu oh, ça? Non, t'es accessible, disponible, puis t'es respectueux, puis t'es tout le contraire que... de qu'est-ce que tu jouais le rôle. Voilà, alors. Voilà. Fait que c'était tout un rôle. Fait que c'était tout un rôle, oui. Ça, quand tu faisais ça. Ma seule erreur, puis je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Ma seule erreur. C'est pas ce que j'ai dit, il n'y a pas une phrase que je changerais. C'est de ne pas l'avoir fait dans un personnage. Je comprends pas ce que tu veux dire. Mettons, prends les 2 ans de testostérone, là, prends les textes, je ne changerais rien de ces textes, rien. Je ferais exactement les mêmes sketchs. Mais tu le dirais différent. Non. J'aurais une perruque, une moustache, puis je me serais inventé un personnage de Mathieu. Fait que ça ne serait pas Marc Brodard. Dans... Voilà. Ça aurait été, mettons, Martin fait Ballard. Si le monde te reconnaît dans la rue, tu n'es pas haï. Mais il voyait tes vives, là, il t'haïssait. Oui. Avec une perruque, avec un décor. Comprends-tu? Oui, ça serait comme un c'est comme les humoristes qui font des personnages du stand-up. Puis pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'entendais tous mes chums humoristes dire, justement, ils disaient, on fait des personnages parce qu'ils peuvent dire des choses que nous autres, on ne peut pas dire. Puis je me disais, c'est ce que je me disais à moi. Hein? Je me disais, vous êtes lâche. Ben oui, assume-toi donc. Exact. Ben, c'est-tu quoi? C'est eux autres qui avaient raison. Parce que moi, je suis arrivé là, bien trop exagéré. Personne n'a fait la différence. C'était comme. Marc Boilard, c'est le gars qu'on va dire. Absolument. Puis moi, je pesais sur le gaz parce que c'était ça ma job dans le show. Ma job, c'était le Eddie Krishman de la lutte. Oui! Ma job, c'était quasiment que Mike Ward ait l'air d'un bon petit gars tranquille. Tu comprends-tu? On appelle ça la technique du paratonnerre. Hey, moi, j'aime pas ça, rehashing, même, j'ai même pas le droit de te demander ça. Mais vu que t'as été agent pour Mike Ward? Non, c'est mon chum, mon grand chum. Ton grand chum. Ouais. Je suis peut-être un terrain glissant, je sais pas, je vais embarquer là-dedans. C'était quoi tes. Ton idée dans dehors de la fête Jérémy puis Mike Ward. Toi, t'es un gars dehors, puis l'histoire qui était arrivée, ouais. Il a fait une joke en humoriste. Ouais, là, ouais. Puis Jérémy, il s'est comme flippé, là, puis il l'a pas pris. Là. Qui avait tort et raison là-dedans, d'après toi? C'est une cause très spéciale, parce que tu peux l'avoir de tous les côtés. Je peux t'en parler comme mais ami. Toi, je peux t'en ben moi, comment tu vois ça? Moi, je pense que ça a été monté en épingle beaucoup plus par les médias qui n'ont pas arrêté d'en parler, puis qui ont fait que tout à coup, c'est devenu une grosse affaire. Puis dans la vraie vie, c'était quand même une joke parmi d'autres. C'est ça que je pense. Mais, oui, parce que ça a été fois, gonflé. Oui, parce que combien de fois j'ai vu des humoristes arriver puis dire « Ben oui, je suis content d'être ici. » Tu imitais une personne qui était vraiment obèse puis qui chantait, puis que tu sais, il l'imitait. Ouais. Mais je me disais « Tu peux pas faire ça, tu sais, tu peux pas... » Donc, c'était pas... Mais elle l'acceptait. Il y a personne qui est l'humoriste après qui avait puis qui lançait des actions et tout ça. Ouais. Tu sais, fait que dans le fond, moi, j'ai toujours pensé au début, quand ça sortit cette affaire-là, la VFD, je me suis dit, ben, nono, lui, Jérémy. C'est un joke. C'est juste un joke. Ouais, mais attends un peu. C'est parce que toi, tu regardes pas les effets que ça a eu sur lui. Il s'est fait bombarder, il s'est fait insulter sans arrêt, etc. C'est pas vrai que c'est une joke, puis après, on s'en va. Non. Il y a vraiment eu des répercussions, mais ils viennent d'où les répercussions? Mike faisait des shows. Il faisait pas ça sur YouTube ou à TV, il faisait des mais shows. C'est les médias qui répercutent. C'est que tout à coup, c'est comme. Là, lui parle de ça, reparle, puis ici, puis la patente, puis à un moment donné, il parle. J'accuse pas les médias de faire ça, ils font leur job, mais il reste que si tu veux décortiquer réellement ce qui s'est passé, ben, ce qui est une joke qui aurait été supposé être une joke en salle, puis qu'une fois de temps en temps, il aurait fait « Oh, Mike Ward, fais une joke sur toi, puis tu fais « Bon, on en revient. » Il y a les grandes gueules sur moi. Exact. Hey, les grandes gueules. Ils ont fait un, hier, un sketch, Mario Tessier, il remplace cette année, là, ouais. À Énergie, ouais. Rentre au poste. Ouais. Il a fait un joke sur moi avec mon frère Raymond, qui était en chicane, puis moi, j'étais pauvre, puis que j'avais vu les uns aujourd'hui, parce que je couchais souvent dehors. Mais ils ont ri de moi, les grandes gueules. J'étais pauvre, je faisais... En tout cas, écoute, ça faisait pitié, mon affaire, okay. Tu sais. Mais je l'ai toujours pris en rien. Je l'ai toujours trouvé ça. Hey, puis en plus de ça, Marc, il faut que je te dise,
ils m'ont rendu tellement populaire, les grandes gueules, avec la nouvelle génération, les jeunes, oui. qui connaissaient pas Jacques Rougeau, qui fait 25 ans qu'il n'est pas à TV en lutte. Là. Ah, ouais. Fait qu'eux autres, ils m'ont tous connu par « Hey, c'est Jacques Rougeau! » C'est Jacques Rougeau, le leader! Puis là, pardon! Puis... Mais là, je rentrais dans les restaurants après, puis je te le jure, de nowhere! Ouais. Le gars qui cognait sa table fort, là, je me revirais par instinct, puis il me disait, pardon! T'es un les billets! mais là, je m'apercevais que le monde, pendant qu'il riait de moi, il y avait du fun! Ouais. Ça les divertissait! Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Fait que j'ai embarqué dans le game de suite, je me suis dit, si on ne vaut pas nous riser, on ne vaut pas grand-chose, je pense que c'est là que ça vient le dicton. Ouais, ouais. Mais Jérémy ne l'a pas pris. Hein. Non, mais c'est une autre affaire, parce que tu peux rire sympathique de Jacques Rougeau, puis tu peux rire. Méchant de quelqu'un d'autre. Puis je peux te dire que c'était pas facile ce qu'il disait au début, il a la gueule de moi. Mais bref, c'est-tu quoi? Ce que je pense, c'est que c'est pas tranchable au couteau, cette affaire-là. Il y a vraiment deux côtés à médaille. Ah, carrément. Sérieusement. Puis c'est mon chum, puis il sait. C'est que moi, je suis pas du tout genre, oui, Mike, let's go, blablabla. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Hein. Ils sont tous là, les humoristes, en disant, oui, vas-y, Mike, on est derrière toi. Mais c'est qui paye? C'est Mike. L'avocat. Son gérant. Le temps. C'est une fortune. Ça a-tu aidé son image, son money-making à Mike? Ça l'a-tu rendu plus populaire, ça? Oui, un peu. Oui, hein? Oui, un peu. Je te dirais que... Fait, c'est il a même fait Rogan, lui, Joe Rogan? Oui. C'est ça, à cause de ça. Joe Rogan, c'est un des plus populaires. C'est le podcast dans le monde. Fait que ça, c'est à cause de Jérémy. Oui, parce que ça l'a aidé. Ça l'a aidé, lui. Comme les grandes gueules m'ont aidé, moi. Oui. T'es hâte en tabarnouche. On passe une petite photo, Marc. OK. Ça date de... Ça fait longtemps, là. T'es beau là-dessus, man. Tu portes-tu des lunettes, ça fait longtemps? En secondaire 3, j'ai commencé à avoir la vue qui baissait. J'ai des lunettes depuis que j'ai 15 ans. Colique. Fait que toi, là, t'es un avocat. T'es un gars intelligent. Moi, je te dis, t'es un gars très intelligent. Moi, là, je vais tester ton intelligence aujourd'hui. Oh, calvaire. Hein? Okay. Tu pensais que c'était un podcast ordinaire, hein? Ah, j'étais sûr que ça allait être un podcast ordinaire. Écoute-moi bien, là. J'ai 4 questions à te poser. Parfait. Puis je veux que tu me répondes par oui ou par non. OK, that's it. Ah, j'aime ça. J'ai dit par oui ou par non, ça commence pas bien. Excuse-moi. Tu dis OK. Ben non, il n'y avait pas de question. OK. Quand tu vas poser des questions, tu me dis oui ou non. OK. Si je t'enlevais un œil, tu verrais-tu pareil? Oui. Si je t'enlevais les deux yeux, est-ce que tu verrais? Non. Parfait, ça va bien jusqu'à date. On commence du début. OK. Si je t'enlevais une oreille, est-ce que tu verrais? Ben oui. Si je t'enlevais deux oreilles, verrais-tu? Oui. Mais non. Qu'est-ce qui tiendrait tes lunettes? OK, ce bout-là, je vous le dis, on va le couper, ça restera pas. T'es pas le premier que je pogne de même. Et pas gagné en cours, pas gagné de gang. Tu connais-tu? OK, je peux-tu te faire. Mais moi, je suis pas intelligent, t'as pas le doigt, là. Ah, ben OK, je suis pas pire, je suis dans. OK, vas-y, oui. Parce que ma blonde, elle dit arrête de t'abaisser. En combien? Ouais, je suis pas mal intelligent. En combien d'étapes on peut mettre une girafe dans un réfrigérateur? Elle fit pas. Non. Oui. Elle fit? Oui. Combien d'étapes? Ben, c'est pas le premier coup, en tout cas, parce que le premier coup, il va pas. Papy. Non, je sais pas. 3 étapes. Ah ouais, donc? Tu ouvres la porte, tu mets la girafe, tu fermes la porte. Maintenant, en combien d'étapes tu mets un rhinocéros dans un frigidaire? Ça va me faire mal pareil. La même façon? Non. Tu ouvres la. 4 étapes. Okay. Tu ouvres la porte, t'enlèves la girafe. Tu fais ça dans tes shows? Tu fais ça dans tes shows? Ça doit faire 20 ans que je n'ai pas compté ça. Eh bon? Oui. Tu sais, moi, je suis facile à pleurer. Là. Non, mais c'est bon. On passe à une prochaine fois. Hey, parle-moi de ça vite. Bon, ça, c'est un très bon livre. Je suis très fier de ce livre. C'est celui-là? Non. Tu l'as pas amené? C'est les deux derniers. Non, je l'ai pas amené. J'ai une copie, je l'ai pas amené. Fait que tu as plusieurs livres de fait, toi. 4. Là, j'en ai écrit un 5e qui va s'appeler Wimpy. Il va sortir sur Amazon en début septembre. Wimpy. Ouais, c'est réapprendre à être contrarié. Réapprendre à être contrarié. Ouais, explique-moi les. Moi, je pense que un des gros problèmes actuellement dans la société où on vit, médias sociaux, même au niveau, quand on sent qu'il y a de la violence conjugale, il y a des affaires vraiment élevées, on dirait, qui poussent dans le mauvais sens. Les agressions sexuelles, tout ça. Je pense que c'est que les gens ont oublié de comprendre que dans la vie, c'est normal d'être contrarié. Les gens prennent maintenant leur contrariété pour une vérité. Je suis contrarié. J'ai raison d'être contrarié. Non. T'es contrarié, c'est tout. Comprends-tu? Tu deal with it. Fait qu'il y a des fois où c'est un moteur pour faire du changement sur soi, pour les autres, peu importe. Mais moi, je suis convaincu de ça. C'est un gros... C'est comme l'étincelle de plein de problèmes.
Fait que j'ai décidé d'écrire là-dessus. Ben ça, je m'en allais dire, pourquoi tu n'instruis pas les gens comme j'instruis ça? Pas les gens, j'ai oui, parce que moi, tu m'amènes de quoi qui est un angle différent, oui, si tu veux? Ben, c'est mon podcast, ça s'appelle Angle Mort, c'est drôle, tu dis ça. Je ne crois pas. Ben oui, moi, j'ai un podcast, c'était mon 500e épisode. JF, on a-tu une photo de ça, nous autres, l'angle mort? On n'a pas une photo. J'ai oublié de te l'envoyer, c'est drôle, là. Je suis pas mal sûr qu'on a ça, moi. Ben, regarde, angle mort en haut, là, tu le vois. Ben, angle mort. C'est ça. Ben oui. Fait que ça, c'est ton nouveau podcast. Ça, c'est, je fais ça depuis maintenant 2 ans. C'est un quotidien chaque jour, le matin. J'écoute, c'est rare que j'en saute un. Lundi au vendredi, avec mon iPhone, j'ai pas de ticket, rien. C'est direct dans mon iPhone, that's it. Puis après ça, ça part sur toutes les plateformes. Ça dure environ 15 minutes. Puis c'est ce que j'ai à dire suite, soit à une conversation que j'ai eue la veille. Ou l'actualité. Exact. C'est actualité société, je te dis. C'est très personnel donc. Aussi. Je parle d'affaires, là. Ouais. Oh, ça monte tout le temps. Ça monte. J'aime vraiment ça. Wow. Puis là, moi, là, tu me fais penser à quelque chose. Parce que, tu sais, moi, ça fait quand même... Je suis dans ma deuxième année. J'achève ma deuxième année avec JF. On fait notre petit podcast. Ouais. Puis là, on était approché par une grosse compagnie. Ah oui. Puis on m'a dit qu'aujourd'hui, je pouvais commencer à en parler pour la première fois. Ah. Tu vois ces lunettes-là ici? Oui, je connais ça. La compagnie, elle s'appelle iFeel. OK. J'ai capoté, ils m'ont mis ça sur la tête, là. C'est malade. Puis là, mettons que tu rentres ton téléphone là-dedans, ouais. Là, puis si tu vas sur l'app de iFeel, puis tu t'abonnes à iFeel, tu mets ton téléphone là-dedans, puis là, le podcast, ils vont commencer à le voir, ils vont pouvoir te regarder en arrière de la tête pendant que tu parles. Ils tournent leur TV, ils tournent leur téléphone, puis ils ont différents angles. C'est comme s'ils se promenaient autour. Écoute, ils m'ont amené dans la chose spatiale. Ils m'ont amené, ils m'ont mis là-dedans pour me le montrer, puis tu vois le gars qui... Puis après ça, la Maison Blanche, tu peux visiter, tu vas pouvoir voir toutes sortes d'affaires. Mais moi, ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est je vais aller rencontrer un paquet de lutteurs. Là. Toi, tu vas aimer ça en maudit. Je m'en vais cet automne, je pars à Winnebago. Hein? Puis je vais aller rencontrer toutes sortes de lutteurs avec ça, ces lunettes-là. Okay. Puis on va faire des entrevues avec cette boule-là ici. Tu vois, en fait, pas juste cette petite affaire-là, ouais. Mais il y en a une couple. Tu vois, il y a plus de caméras que d'habitude. Ouais. Mais je vais me l'amener avec moi. C'est hot. Il y en a une en haut, regarde en haut de ta tête, là, ouais. Là une boule. Ouais. Puis ça, c'est du 360. Ouais. Puis là, imagine-toi que je vais aller rencontrer tous les lutteurs avec ça. Ils ont jamais vu. Qui, entre autres? Ben écoute, moi j'ai Jake the Snake, Jimmy Hart. Je vais probablement essayer d'aller voir Hulk Hogan. Okay. Je pense que je ne pose pas entrer là. Hacksaw Jim Duggan. Okay. Coco Beware. Tu sais, je vais aller. C'est-tu voir... des gars avec qui tu as encore un peu de contact? Oui. Okay. Puis si je faisais une apparition, mettons, si je voulais faire un show à Montréal, juste un Comic-Con, n'importe quoi, j'avais tous ces gars-là, ils viennent. OK. Ah oui, j'ai encore tous des bons contacts. Ah, cool. Mais malheureusement, je suis obligé de te dire, Marc, puis tu vas te dire, tu vas m'appuyer à 100%. C'est qu'ils sont quasiment tous morts, les gars avec qui j'étais. C'est incroyable. C'est fou, les puis gars. C'est rare que c'est une belle mort. Hein? Non, c'est ça, là. Ah non, puis il y a un gars justement qui m'a dit cette semaine qu'il y en a un autre qui était mort. Puis j'ai demandé qui, il ne savait pas qui. Il y a un autre lutteur qui était mort, mais qui était dans mon temps à moi, là. Puis regarde, Paul Orndorff, t'as vu qu'est-ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps? Oui. Il a fait une démence. Ouais. Puis on l'a vu dans une photo impitable, dans une chaise roulante. Je l'ai vu dans Comic Con aussi. Ouais. Magané de même, ça se avait 85 ans. Puis là, il est mort, il a fait à peu près un mois. Ah ouais. Puis là, j'ai vu ça de même la photo. Puis là, il mettrait la photo de Mr. Wonderful, Paul Orndorff, quand il était dans la lutte. Ouais. Puis dans la chaise roulante à côté. Ouais. Puis de la démence, je connais pas ça. Je sais juste que ça mange le cerveau, je pense. Mais je connais pas je peux pas faire de l'empathie avec ça, je connais pas ça. J'ai jamais connu quelqu'un qui va. Mais je vais aller rencontrer un paquet de lutteurs. Hey, écoute-moi, là, je devrais pas dire ça, là, mais tu devrais aller voir le podcast, tu sais, Dark Side of the Ring. La semaine prochaine, je te dis. Non, mais c'est, oui, ça, je t'allais demander d'aller voir Dynamite Kid parce qu'on est des amis de longue date, puis je tiens à voir ton feedback. Absolument. Mais un autre podcast sur Dark Side of the Ring, il faut que tu ailles voir, c'est Grizzly Smith. OK. Écris ça, Grizzly Smith. Ouais. C'est le père de Jake the Snake. Ah? Puis il abusait Jake the Snake, puis les enfants, il abusait ses enfants sexuellement, puis tout ça l'affaire. Ça a sorti sur le podcast, j'étais levé sur le Dark Side of the Ring, puis j'ai vu ça, puis je me suis dit, my God! Puis Sam Houston, là, qui dansait avec son chapeau de cowboy, c'est son frère à Jake the Snake, okay, le monde ne savait pas. Personne ne sait. Ah, ouais. Puis Judy Marlin, c'était sa sœur, la lutteuse. Okay. Mais je sais pas si c'est Judy Marlin, je ne sais pas. C'est une autre fille que je connais qui faisait de la lutte, qui était dans les shows avec nous autres. C'était trois frères, tes frères et sœurs. Puis ils sont toutes fait abuser par Grizzly Smith, qui était un agent pour moi. Il était mon agent souvent tous les soirs. Puis M. Smith, ça fait 6 pieds et 8. C'était un gros bonhomme. Il avait un ours. Mais il était tellement fin. Il était tellement jovial. Mais c'est souvent ça qu'ils disent, hein, que les agresseurs, là, tout le monde fait comme pardon. T'sais, tout le monde n'y revienne pas, là, parce que c'est pas. C'est pas un profil public, là. C'est pas genre, ah, lui, il est généreux, lui, il est drôle, puis lui, c'est un agresseur. Tout le monde, quand il rencontre
qui pas qu'ils rencontrent, mais qui entendent parler de quelqu'un qui a un trouble, un travers de même, ils sont tout le temps surpris. Là. Mais ça nous a c'est un jardin secret sombre et douteux. Là, c'est fou, il faut que tu écoutes pas ce podcast-là. Ah ouais, écouter, parce sûr. Que tu vas voir Jake qui a caché tout toute sa vie. Puis ah, quand ouais. tu revois Jake the Snake dans cet environnement-là, comment je te dirais ça, donc accessible. Vulnérable, c'est le mot que je cherchais. Tu reverras plus le serpent autour de son cou, puis tu reverras plus rien. Tu vas voir une famille de monstres, mais tu sais, qui ont vécu, puis ils ont eu des. C'est vraiment quelque chose. Finalement, tu fais une tournée de tous ces gars-là avec Highfield. Oui, avec Highfield. Ah, c'est cool. Puis même, je te dirais, tu devrais parler au boss d'Highfield. Je te le dis, moi, parce que t'es tellement intelligent, puis t'es tellement bon. Non, mais c'est vrai, je te trouve tellement. Tu sais, hey, un avocat qui fait tout ce que t'as, genre de. T'as tellement d'expérience de vie que je suis certain que tu pourrais t'ouvrir une ligne dans Highfield. Je te jure, c'est, mais j'appelle une branche, j'appelle ça comme tu voudras. Ah, moi, je suis juste une branche. Highfield, ouais. il va avoir Victorio, Blaisemont, il va avoir, justement, pour l'hockey, il va avoir André Roy, il va avoir plein de branches. Okay. Tu pourrais le faire avec les artistes, oui. OK. Tu sais, tu pourrais le faire pour aller chez les artistes, c'est fou, mais quand. C'est comme un talk show. Fait qu'autrement dit, t'as un artiste qui s'en va en show, mettons, tu mets cette caméra-là en haut, là. Puis là, tu vas avoir 360, tu vas pouvoir aller voir l'artiste en arrière quand il parle, faire le tour, tu vas pouvoir voir le monde en foule, tu vas pouvoir revenir, ouais, c'est fou cette affaire-là. Ah, je vais tellement. Tu l'as vu tout à l'heure, t'as fait passer les lunettes. Non, mais juste l'équipement, c'est gros de même. C'est hallucinant. Mais attends, mais que tu te sentes dedans, là, c'est arrivé. Alors voilà, la raison pourquoi que je plug Highfield, c'est pas une commandite, c'est mes partenaires. Fait que je suis vraiment content. Puis nous autres, on est dans les premiers podcasts. C'est la première fois que je fais tout l'équipement de même. Fait que Mac Boilard, tu vas rester mémorable dans ma vie. Je vais être en 360 degrés. Tu vas être en... Il manquait ça dans mes affaires. J'ai jamais été en disant, hey, là maintenant, je suis 360 degrés. j'emmène large, mais là, j'emmène 360 degrés. C'est pour ça que je voulais pas te mettre dans mon speedo. Exact. Tu sais, tout à l'heure, tu voulais être dans mon speedo. Ah, ouais, je voulais. Un autre photo, JF. Ça, c'est quoi? C'est-tu vrai, ça? Oui, ça a été mon premier livre. Ça, c'est... l'éditeur m'avait appelé en disant... J'étais dans ce temps-là sur ma première émission de télé qui s'appelait Je regarde moi non plus. Moi, j'ai appris à faire la télé avec Julie Snyder. Pas vrai? Ben oui. Hey, j'adore Julie Snyder. Oui, elle connaît ça. Ça, je peux te le dire. Hey, j'ai fait toutes les émissions avec elle. Toutes les affaires qu'elle faisait. On déménageait, à un moment donné, d'un déménagement, elle est venue me filmer, j'allais aider un autre. Elle avait une émission. C'était quoi ces émissions que ça s'appelait? Ben, Le Point J. Le Point J, j'ai fait ça. N'as-tu fait d'autres? Ben, plein. Je l'ai fait plein. Elle produisait des émissions, dont Je regarde moi non plus. Qu'est-ce que tu veux dire, je produisais? Elle était. Elle produisait des émissions. C'était pas juste ses émissions, elle les produisait elle-même. Fait qu'elle n'était pas dedans nécessairement. Oui, ouais, exact. Des fois, elle produisait d'autres shows. C'est comme si Highfield, ils produisent, mettons, le boss d'Highfield ferait un podcast, puis en plus, il fait le tien. Bon, c'était la même affaire. Ça fait qu'il y a un gars qui m'appelle, puis il dit, j'aimerais ça que tu fasses... L'émission s'appelait Je regarde moi non plus. Puis il dit, j'aimerais ça que tu fasses un livre, ça s'appellerait Je drague moi non plus. C'est comme, Je drague moi non plus. Ouais, un livre sur tes trucs que tu dis à TV, on ferait. Okay. Là, j'ai dit, non, ça, j'aime pas ça. Je dis, on va faire, comme vu que je suis avocat, on va faire comme un code civil. Ça va s'appeler le code Boilard du vrai gars. C'est 50 articles. Sur, et ça s'est vendu, mon vieux, mais en déchaîné, là. On a fait rééditer, puis tout. Ben, voyons. C'était des livres, le monde, il riait aussi. Tu sais, moi, je, à travers. T'as fait quoi avec ton arrêt? Tu l'as certainement pas mis dans le linge. Non. Ton t-shirt, tu en as quelqu'un. C'est une joke. Hey, t'es revoir sur YouTube en passant, t'es revoir de Mounty versus Undertaker, le combat. Oui. Malade, tu vas rire, tu vas être fun, tu aimes la lutte, ben oui. Tu vas adorer ce match-là. Okay, c'est tellement tout le monde. Continue, fait que, hey, c'est vrai. Fait donc, ça a vendu combien de copies? Je peux te demander? C'est, le premier, on avait sorti 3000, ils sont vendus tous, rapide. Mais t'as pas 9,95. C'est 5000, je pense que c'est un best-seller, hein? Bon, 5000 copies. Après, on a fait une autre vague de 2-3000. Fait qu'il est devenu un best-seller. Ouais, si on veut. Techniquement, c'est pas énorme, 5000. Mais ben, 5000 c'est un best-seller au Québec, exactement. Et là, après, j'ai sorti l'autre que tu as vu. Quel autre? Moi, si j'étais une fille, le premier qu'on a vu. Oui. Et après, je vais. Parce que là, à un moment donné, moi, j'ai passé. Mais donc, JF, t'as-tu d'autres photos de qu'est-ce qu'il a fait? On va-tu le voir, ça, de quoi qu'il parle? T'as-tu d'autres choses? Sans les photos. Bref, au montage, tu pourras le mettre. Puis après, je te dirais. Je connais ça, hein? Au montage, tu pourras le mettre. Je t'aime, Marc. Je t'aime au bout. T'es tellement instruit. Quand j'ai eu fini Testostérone, moi, l'affaire du gars, la crosse, tout, c'était fini. C'était terminé. OK? Ciao, bye. Là, je suis passé à ce que je fais maintenant. Maintenant, je fais de la radio. Je suis au FM 93 depuis 2013. Je fais des podcasts, je fais des conférences. Depuis 2013, t'es au FM 93? Oui, à Québec. Puis, il y a différents chapeaux. J'anime des lignes ouvertes. Là, je suis chroniqueur quotidien dans le retour avec Sylvain Bouchard.
Moi, c'est un... Moi, tu me montres des affaires de testostérone, je trouve ça très drôle parce que c'est. J'ai du passé. Man, c'est comme. Ça fait d'autres choses. Alors, par contre, je comprends qu'il y a du monde qui, vu que je suis plus à TV, il y a du monde pour qui la dernière idée qu'ils ont, c'est ça. C'est moins ça. C'est normal. Mais c'est moins les dernières choses voilà. que j'ai vraiment entendues parce que t'étais à Québec. La Radio Québec, dans notre région, ici, ils en parlent pas. Là. Voilà. Tu comprends mais si t'es un auditeur du FM 93. Ils te connaissent, ça. Marc Boilard, lui, le testostérone, c'est même plus dans le temps. OK. Ils sont rendus le Marc Boilard qu'on se parle, là, tu comprends? Fait que toi, dans le fond, là, c'est ça qui est triste des fois. J'aime bien Mario Lirette, souvent, parce que quand il m'aidait avec mes plugs, mes shows de lutte, puis tout ça, il me disait toujours, Jacques, je vais t'appeler, là, je vais te donner un coup de main, mais ça va être réseau. Tu sais, la entrevue oui. qu'on va faire, ça va être réseau. Fait que oui. ça va passer en Abitibi, ça oui. va passer... Fait que toi, quand t'es à Québec, au 93, c'est juste la région de Québec. C'est ça. Ben, moi, sur Internet, là, mais okay. tu sais, à Montréal, c'est en dessous du radar. Puis de toute façon, quand tu fais pas de TV, t'existes pas. On va le dire clairement. Pour vrai? Oui. Pour les jeunes, Internet, oui. Pour les jeunes, là, tu sais, genre mais Instagram, le monde de notre ans, âge. Oublie ça. C'est ta TV ou. Tu sais. Loin des yeux, loin du cœur, hein. Tu sais, autrement dit, le monde ne te voit pas. Ouais. Il s'ennuie plus de toi. Ouais, exactement. C'est fait de même. Puis quand tu reviens, c'est comme si tu avais toujours été là. Tu sais comment hot tu vas être après mon podcast? Ah, ben, hein? ça va brûler le marché. C'est fou, là. Ah, oui. Tu vas être là encore. Ouais, grave. Passe une autre photo, Jeff. C'est... Ça, c'est la moto que je me suis achetée cette année. Attends, grandis-la, Jeff. Merci. Merci. Alors ça, là, c'est un... En l'an 2000, genre, j'ai acheté une moto, un Suzuki Intruder. Je l'ai gardé 16 ans. Oh, tabarnouche! 16 ans. Puis, donc, je l'ai vendu en 2016. Mais, hein, la fois, je comprends pas là-dessus, là, il y a deux bains. Là. Oui, parce que j'ai non, des invités. C'est une joke. J'ai des invités. OK, continue. Et pendant des années, ça me manquait pas. J'ai fait... Je suis tanné, tu sais, c'est comme... Ce que je trouvais plate, c'est que tu pars, il fait beau, puis tu reviens le lendemain, puis il pleut, là. C'est comme gossant. Puis les routes deviennent un peu pareilles, toujours pareilles. À un moment donné, quand tu fais ta trail, là, tu sais, comme moi, ça fait 5 ans que... Moi, ça fait 5 ans que je fais ma trail, là. Ouais. Puis là, je les ai tout mal toutes dans la Naudière, puis tu sais, fait une coupe. Mais le plaisir que j'ai, moi, depuis quelques années, c'est que je l'emmène dans le sud avec moi. Okay. Puis là, j'arrive à Fort Lauderdale, puis je fais mon gros riche, puis je m'en vais sur le bord de la plage, puis après ça, j'arrive à Tucson, puis là, j'arrive à El Paso, puis là, on arrive à des places, des petits villages, qui voient passer mon Bessic, je te jure, ils pensent que c'est un martien. Là, ils sont là, ils m'ont posé, waouh! Hey, écoute, faut que je te compte ça vite, vite. On a traversé à El Paso, on est allé à. L'autre bord, là, au Mexique. Comment ça s'appelle? Moraes? Non, pas Moraes. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle l'autre bord de. Regardons ça, GF, si t'es capable. Chérie! OK, elle sait, elle sait tout. Elle, c'est El Paso. Comment ça s'appelait? Quand tu traverses le pont, en tout cas, tu arrives au Mexique. Je vais m'aller. Je sais exactement de quoi tu parles. Écoute, je te jure, c'est vous. Oui, comment ça s'appelle la place qu'on a traversée au Mexique en Spider? Juarez. OK. Ils font et cabane, c'est raide, ça. C'est raf pis tout. Hey, on a passé un mauvais cabane, moi, ma blonde. Pour vrai? Pourquoi t'es allé là? T'es... Ben, je l'ai visité, Juarez. Ben on était oui, en Paso. J'aime ça voir des dombes, je trouve ça drôle. Mais écoute, tu te passes par la tête, je les sais films, pas. C'est la pire place c'est de ça, gangsta. C'est ça. Ben, c'est vrai. Quand on est arrivé l'autre bord, là, les maisons sont toutes barricadées avec des clôtures hautes comme 20-25 pieds. Puis là, là, on avait traversé. Puis quand on a traversé, on est rentré comme ça. Ah. Puis après ça, quand on est venu pour revenir, ça a pris 1h30 à revenir. Arrête. Puis il y avait 3 entrées pour rentrer aux États-Unis. Mm-hmm. Puis là, il y a un pont qui est en construction. Puis moi, je comprends pas bien espagnol. Un petit peu, c'est pas du tout, mais un petit peu. Fait que là, il m'a envoyé une place 5-6 km. Ben, gracias, amigo. Puis là, on arrivait à des gens de Bronx. Mm-hmm. Puis là, là, moi, ma blonde, on se regardait. Là, puis là, ma blonde était en arrière, puis elle disait. Chérie, là, faudrait que tu retrouves la grande route, là, tu sais. Puis là, j'étais là. Ouais, ouais, ouais. Puis là, il y avait un gars qui était dehors dans une, en arrière, dans sa cour, en arrière de la cage. Ouais. Puis il dit, mi amigo, mi amigo, por favor. Là, je te rends du broyé, quasiment. Mi amigo, back to USA. Comment? Puis là, il disait, ah, no problem. Là, tu t'en vas là. Puis là, on s'est envoyé une place. On arrive à une place, le pont fermé. Puis là, on revient d'abord. Puis finalement, quand je suis allé, j'ai vu une police. Là, j'ai expliqué, toi, habla inglés. Tu sais, tu parles-tu anglais? Il est là, poquito. Là, j'ai dit, mes señoritas, go back home. Mais no, c'est possible. Puis là, il nous dit à moi, il dit, bente. Fait que là, il suit moi. Fait que là, il nous emmène. Mais là, là, il fait juste imaginer ça, là, je vais vous le mettre en contexte, là. T'es sur le boulevard métropolitain, puis il faut que tu traverses le tunnel, mais c'est bumper en avant de la place Versailles, partout. C'est bumper pendant à peu près 5-6 000 de long. Puis ça fait un gros U, là, comme ça. Okay. Mais la police, elle passe en avant du premier U, puis elle m'emmène dans la ligne, en avant de tout le monde, mon pour Dieu. Traverser le pont. Fait que moi, je suis là.
Pourquoi? Ben, je sais pas, parce qu'il avait vraiment vu qu'on avait peur, puis qu'il voulait nous aider. Il était super gentil. Okay. Fait que là, on arrive pour là, dans la rue qui est à côté, on vient pour embarquer les amis principales. Les chars, ils sont à un pouce de bumper, puis ils me regardent comme s'ils veulent me tuer, parce que j'ai essayé de les déjouer. Puis là, les personnes qui nous laissaient passer, ça passait, puis là, là, je te dis, puis là, il y a une couple de Soulon qui était sur le bord, là. Puis là, il était là, puis il disait, « Hey, tout reste là! » Parce qu'il me disait, « que passe ça, ouais, tu là, sais quoi, là? » Fait que moi, mais la police, elle était venue me reconduire comme 50 pieds en arrière, elle est même pas venue se montrer en face où ce que moi, il fallait que je rentre. Elle m'a juste dit, « Vas-y, c'est là que tu vas couper. » Fait que quand je t'ai vu pour couper, là, j'étais pas le bienvenu, là. Puis là, je suis arrivé comme ça, j'ai dit, hey, la policia, la policia. Fait que moi, j'essayais de dire, la police m'en est ici. Ouais. Puis lui, il dit, tu ne reste pas policia. Toi, t'es pas de mon petit, mon tabarnak. C'est toi, là. Ouais, puis ouais. Les autres, t'es pas de police. Pas même puis là, il s'approchait de nous autres, là. Puis ma femme a eu une idée géniale. Parce qu'il y avait des vendeurs comme ça à la plage au Mexique, ouais. Tu sais, des collets puis des coquettes. Puis il y avait plein avant de traverser le pont. Fait que ma femme m'a appelé, elle m'a dit, hey, on va acheter des affaires. Fait que là, on commençait à les encourager, on sortait l'argent pour en acheter des affaires. Puis là, finalement, il y a une femme qui était là, collant dans rien du prochain bumper. Elle n'osait pas nous regarder, puis là, je suis arrivé, puis là, je me suis dit, à un moment donné, il faut que je coupe quelqu'un, je vais te couper une femme. Tu sais, elle aura pas de gun. Ça en fait ce que je me disais! J'ai pas dit à ma femme, elle me dit, elle doit pas avoir un marteau, elle, ou un gun. Fait que là, je t'ai vu, puis la coupée, je l'approchais un peu, puis elle a fait ça, elle manque. Mais en maudit après moi, là, parce qu'elle savait qu'elle était pour se faire bombarder par ceux qui étaient en arrière partout. Mais ça a été une expérience épeurante à la Juarez. C'est l'enfer. Moi, une fois à Miami, je me suis perdu en auto dans le Miami en arrière. Non. Miami centre-ville, là, ça n'a rien à voir avec ça. Okay. Mon gars, sérieux, là, c'est comme t'arrêtes au stop. Écoute, ça se promène avec des paniers, pas de souliers. C'était plus comme un film de zombie. OK. C'était pas. Je te le dis, là, j'ai pas de souvenir de l'identité de qui était là, mais j'ai juste. Il y avait tout l'air des zombies. C'était hallucinant, mon gars. C'était comme. T'as-tu eu peur? Oui. Oui, parce que je me disais, si j'arrête. Ils peuvent casser la fenêtre. N'importe quoi. Ouais. Hey, on s'est écarté un peu. Mais ben là, on parlait de moto. Ça pour dire que moi, c'est ça. Fait que moi, là, en 2016, j'ai vendu ma moto. Okay. Puis ça m'a repris l'an passé. Parce que moi, j'habite en plein centre-ville de Montréal, dans le quartier. Là, t'es rendu, t'es plus à Québec. Jamais été à Québec. Je fais de la radio à Québec à distance. Jamais resté à Québec. Pour vrai? J'ai co-animé avec Éric Duhaime pendant un an. Okay. C'est que j'y allais chaque semaine pendant trois jours. Mais comment tu fais pour être au courant des affaires à Québec si tu restes à Montréal? Ben, parce que je parle pas d'affaires de Québec. Je parle d'affaires que tout le monde, de la vie de courante, puis de... Okay. Tu comprends? Moi, je lis tous les journaux le matin, Le Monde, le New York Times, le Sun Sentinel. Vrai? Je suis abonné à tout ça. Oh, Journal de Québec, Le Soleil. Mais Maître Boilard! Ça prend 2 heures, tous les matins, que je travaille ou pas. C'est hot, ça! Ben, je suis un lecteur. C'est pour ça que tu peux parler avec n'importe qui, puis t'es instruit de même. Peut-être. Ça doit essayer. Mais tout en ton honneur, en tout cas. Ben, merci. Puis moi, là, je le dis pour mon Spider. Mais je vais finir mon histoire. Ah ouais, donc? Mais oui, et je là, sais, j'ai overlap aussi. Il y a un an de ça, l'été passé, vu que j'ai pas de char. Oui. Parce que j'ai pas besoin de char au centre-ville. Ah, ben c'est. Je fais du vélo pour déchaîner. J'ai fait, là, je suis tanné d'avoir une option dans la vie l'été, c'est du vélo. Puis du vélo, puis encore du vélo. Puis là, l'idée de repogner une moto. C'est que ça, c'est une moto 2016 qui est le modèle que j'avais, mais. 2016, rafraîchi. J'ai payé, écoute ça, regarde là, je te jure, il n'y a pas une graphine, genre. C'est une 2016 avec 50 000 km. 2016, elle a 5 ans. Ouais. J'ai payé 5 000 $. Pas cher. Ben, 5 000 $. J'ai payé 40 000, mon Spider, puis voilà. Je dois encore à la banque. Ben, c'est ça. Ben, moi, je ne dois rien. Moi, j'ai fait un chèque, je lui ai dit, c'est réglé. C'est fantastique. Donc, c'est pour ça que je vais te montrer ça. J'aime ça faire la route. Je ne suis pas maniaque, mais j'aime ça. Moi, je suis content parce qu'avec iField, on va aller cette année en Spider. Ah on oui. Va le voyage en Spider avec mon motorisé. J'ai acheté un trailer, c'est une passée. Ils ont tout équipé, ils rentrent avec les places pour les pneus. C'est de toute beauté, je te montrais ça tout à l'heure. Okay. Fait qu'on part avec ça, puis on va aller faire du 360 en Spider. Puis il y a 2 ans sur mon Facebook, si tu recules, il y a 2 ans. Ouais. Je sais pas si t'as mis il y a 2 ans, Facebook. Oui, c'est longtemps, ouais. Genre, ben oui. Fait que t'as-tu vu les voyages que je les vis? Non, t'as pas vu ça. Sinon, on s'avait perdu de vue. Ouais. Mais j'ai tout été fait des capsules. Tu sais, des sortes de... J'avais une matraque avec moi, une machette. C'est tellement drôle parce que la vérité, là, je faisais comme si j'étais Crocodile Dundee, là, okay, tu sais, okay. Un peu partout. Ah. Mais j'avais peur. J'avais peur de vrai, parce que j'allais ouais. Dans des grottes, dans le milieu des terres, des cactus. Ah, on s'arrêtait, puis on s'aventurait, puis ma femme souvent me disait,
tu y vas tout seul, là? Tu sais, là, ben, pis là, moi, je disais à elle, j'ai, hey, garde un œil sur moi, là, tu sais, de quoi? Tu sais, mais ça a été une expérience incroyable, là, avec les crocodiles, avec toutes sortes d'affaires, mais assez proche, tu sais, mais pas trop. Elle m'a dit, écoute-moi, là, j'ai plein de photos, c'est assez drôle, j'ai plein de photos avec ma femme. Là, j'ai dit, là, on était en Louisiane. Puis tu sais, quand tu t'en vas dans la Louisiane, sur la 10, c'est tout des swamps partout. C'est tout swamps. C'est tout des swamps. Puis tu t'en vas sur une autoroute, une belle autoroute, pendant les 100 000, je pense. C'est toute la swamp à côté. Incroyable. Puis il y avait un genre de truck, une rest area. Ouais. Puis là, je me suis collé. Puis il y avait un petit en bois, là, tu sais, un genre de petit dock qui était fait par-dessus les swamps, tu pouvais aller regarder. Fait que moi, j'avais dit à ma femme, j'avais dit à un moment donné, je t'ai vu un gros crocodile, un maudit gros. Puis là, j'ai dit à ma femme, chérie, c'est-tu beau? C'est incroyable. J'ai dit, je veux que tu te mettes là, là. Puis je recule-toi un petit peu. Juste. Mac, écoute-moi, je te le dis, le crocodile était à peu près à 10 pieds d'elle. Okay. Il aurait pu partir vite après. Mais c'était bon pour la caméra. Ouais, ouais. Mais bon, mais là, j'étais. Puis là, je me suis dit. Puis là, mais c'est beau. Puis après ça, quand j'ai montré la photo, elle dit, OK, tu peux la mettre. Tu sais, c'est sur Facebook. Ah, ouais. Tu peux la mettre, tu sais. Puis là, je regarde à côté de toi, en bas. Quoi, elle savait pas? Elle savait pas. Tu me niais. C'est le jeu. Ah, mais attends, tu es un criminel. Pour vrai? Ben, franchement, c'est. Ma femme. Ouais, c'est ça. Ma femme. À quoi, moi, dire? Hey, c'est quand même hallucinant. Mais on a fait des voyages. Puis là, on va faire cette année avec Highfield. On va faire ça, mais tout, mais qu'on aille filmer tout ça. Mais quand j'ai rencontré tantôt, c'est drôle, tu parles de ça, parce que je me suis dit, crime, cette femme-là, ça y fait bien que j'en vends moins. Elle n'a pas une jambe en moins? Ah, c'est pas ça, c'est pas elle. C'est pas elle. OK. C'est une jambe en moins? Mon crocodile. Attends, c'est pour ça que tu ris 30 secondes plus tard. C'est moi. C'est pour ça que t'es un avocat, Chris. Moi, j'étais lutteur. Fait que niaise pas avec ça. T'es moi, me sens de mon corps, toi, tu te sais ta tête. OK? Fait que moi, ça me prend. Par contre, une prise de lutte, tu vois, qu'est-ce que tu fais pas mal plus vite que toi. Ouais. Hey, j'imagine Cédric, comment. C'est fou. C'est Jay. Puis Cédric, t'as dit, ouais, mes gars, ils sont bons. Mais Cédric, c'est tellement un monstre, Cédric. Puis là, ils ont tout leur ça, c'est bon. Ils ont tout leur genre à lutte de 3 ans, mes gars. Pourquoi? C'était pas leur passion. Pour vrai? Ils ont fait 20 ans de lutte pour moi, mes gars, mais ils l'ont fait pour moi. Tu penses? Non, pas je pense, je le sais. On a eu des conversations qu'on n'était pas éclairées, puis avec des micros. Ouais, ouais, ouais. Puis ouais. C'est clair et net que la lutte pour eux autres, c'est comme non. Puis je les comprends. Pas toutes, mais j'en comprends un bout. Qui va avoir un père qui part 25 jours par mois, puis qui arrive, il y a 3 ou 4 jours à la maison par mois? Mais tu peux en parler, tu l'as vécu. J'ai fait ça pendant 10 ans. Ouais. Fait que mes enfants... Non, même avec ton père? Toi? Ah, même chose avec mon père. Mais moi, j'ai accepté ça. Ouais. Moi, mon père, c'était mon idole. Okay. Moi, mon père, la lutte, tu sais comment j'étais passionné de la lutte. Ouais. Mais mes autres, mes gars, c'est pas ça. Okay. Fait qu'ils m'ont demandé, ils m'ont dit, père, on va faire un dernier combo par Jory, si vous voulez, 3 ans. C'est moi qui leur ai demandé ça. Je vais faire un combat avec mes 3 fils. Okay. Fait que moi et mes 3 gars, on a lutté 4 contre 4 au Parc Jory. Il y a 33 écoles de la province de Québec qui sont venues, dont Québec, Jonquière. Je peux te dire des écoles de partout. Avec mon livre d'intimidation, tu sais, que je fais, ouais, conférences depuis 20 ans, moi, pour les écoles. Là, c'était 3 ans, on ne fait plus. Parce que quand j'ai lâché de lutter, Marc, il y a 3 ans, oui. Faut pas que je parle trop de ça, ma vie est morte. Tu trouves? Ma vie est morte, pas je trouve. Pourquoi tu dis ça? Mais j'ai plus le goût de rien. Ah, ouais. Moi, la lutte, c'était ma vie. La lutte, c'était ma vie. Puis enlève-moi la lutte. Et moi, à l'âge de 6 ans, moi, à 6 ans, Marc, là, c'est ton podcast, mais il faut que je te dise ça. Moi, là, écoute, à 6 ans, l'Abdoula de Butcher, il venait chez nous, là, à Saint-Sulpice, sur le bord de l'eau, prendre une photo dans le dimanche matin. C'était le Montréal, Montréal matin, dans ce temps-là. Oui. Puis il envoyait le photographe chez nous à Saint-Sulpice, puis Abdoula venait faire un face-à-face avec mon père, mettons, là, le dimanche soir, pour que lundi matin, ça sorte, puis ce soir, au centre Paul Sauvé, mais il faisait toute la pub de même. Puis moi, à l'âge de 6 ans, je commençais à mettre la tête entre mes jambes à mon père sans qu'il sache. Puis à un moment donné, il m'a suivi un matin, il m'a dit, oh, me rappelez de ça, j'étais là dans l'autobus le lendemain. Puis tous mes chums, ils savaient que mon père, c'était une idole, puis il était bien aimé par le public. Puis là, il embarque dans l'autobus, puis il me dit, là, je dis, hey, les boys! Puis là, il disait, ben oui, on le sait, ton père, il lutte contre Abdoula à soir. Je dis, non, non! Avez-vous vu entre ses jambes à mon père? Dans le journal, le matin. Ah ouais? I was there! Ah ouais? Ben oui, puis ça, c'était ma passion toute ma vie. T'as comme c'est injecté. Puis voilà, 3 ans, quand ça a tout arrêté, j'ai perdu le goût de donner des conférences pour les jeunes. J'ai perdu le goût de tout. OK. Puis là, je me bats dans la vie. Puis là, à peu près dans ce temps-là, j'ai Mike Brassard. Tu connais-tu Mike Brassard? Très bien. Mike Brassard, c'est mon agent star. Okay. C'est lui qui book mes villes partout, puis il fait mes posters. Il est très fin, très bon. Ouais.
Puis c'est lui qui est venu me voir à l'école de lutte. Je fermais mon école de lutte, c'était juste avant mon dernier show. Puis Mike, c'était mon élève, déjà depuis un an ou deux. Ouais. Fait qu'il m'avait dit à moi, il voyait bien que ça marchait pas bien dans ma tête, là, que je passais quelque chose de grave dans ma vie. Là. Okay. La fin de... Hey, il faisait ça les 15 ans que les Rougeaux existaient, puis moi, je travaillais pour le centenaire. Je voulais que mes gars mènent ça à 100 ans comme le Canadien, là, les Rougeaux. C'est vrai. J'avais un rêve. Ouais. Puis Mike Brossard, il a vu ma petite dépression qui commençait tranquillement, mon moins goût de vivre. Puis là, il disait... Et à un moment donné, t'es arrivé chez nous, Mike, faut que je te conseille, il y avait une valise. Puis là, il dit, peux-tu te parler, genre, après le coup? Je dis, oui, pas de trouble. Puis là, il est venu assis avec moi, puis là, il a ouvert une valise. Puis là, il a sorti des posters d'une ville de Saint-Eustache. Une petite place, là, vraiment le boondock, un bar, là, c'est un petit Saint-Eustache. En tout cas, c'était petit, il rentrait peut-être 100 personnes. Là, il dit, genre, il dit, moi, là, il dit, ça fait 2 ans que je te cite, là. Puis tu t'entends compter tes histoires de lutte, il dit, faut que tu comptes ça au monde. Et le monde ne savent pas le backstage, ils ne savent pas tout ce qui t'est arrivé dans ta vie. Il faut que tu comptes ça, tes anecdotes. Je vois, ouais, puis tu sais, j'avais pas plus que ça. Puis ça, il m'a sacré un paquet de billets dans les mains. Là. Il dit, va voir les compagnies, puis il dit, va leur parler, puis il dit, va faire un show, tu vas aimer ça, genre. Parce que tu vas revivre, tu vas revivre. Hey, là, c'est pas des faces, Marc. En ce moment, là, j'ai 800 personnes qui m'attendent à Rouyn-Noranda à cause du COVID. C'est plein, c'est guichet fermé. Hein? Ben, là, ça fait 5 ans que je fais des conférences. C'est malade. Et puis depuis que j'ai commencé mes conférences, toutes mes salles sont pleines. Ah, ouais. J'ai fait à Granby, la grosse salle, comment elle s'appelle? La vraie grosse salle de Granby. Oui, comment elle s'appelle? J'oublie le nom. Magog. Ah, le vieux clocher. Le vieux clocher, sold out. Hein? J'ai fait Val d'Or, sold out. J'ai fait toutes mes villes que je suis allé. T'arrives là avec un tabouret comme un stand-up. Puis tu racontes. Oui, mon matelas est là, mon matelas de lutte. Okay. J'ai un gros matelas de lutte que j'emmène, tu sais, dans mes conférences avec moi. Okay. Puis là, à la fin de ma conférence, à raconter de l'histoire, je vais me chercher 2-3 personnes dans la foule, à leur insu. Puis là, ils emmènent sur la scène, puis je leur fais des souplesses, des powerbombs, toutes sortes d'affaires. Puis le monde s'en rit. Puis j'ai des one-liners, justement, à la fille, à la tête entre mes ventes, tu sais, comme pour un marteau pilon. Puis là, je viens m'installer, puis là, je suis là, Soyez patient, là. Attendez, c'était un bon moment dans ma vie, là. Prenez votre... Mais j'ai du fun! Wow. Puis j'ai revis, là. Revis avec mes conférences. Puis là, je ramène la lutte, je ramène toutes les belles choses que j'avais. C'est une très bonne initiative. Parce que dans le fond, c'est que tu veux pas être un ancien lutteur. Tu veux être un lutteur qui fait autre chose. C'est ça, dans le fond, que je comprends. C'est ça que je fais, ouais. Moi, j'entends ça. Moi, je revis ma lutte. Exact. T'es encore un lutteur, mais tu fais ça autrement. Ouais, c'est parce que tu te voyais comme un ancien lutteur, c'est ça que tu n'as pas aimé. Mais tu as raison, tu es un lutteur, mais maintenant tu fais ça autrement. Tu le racontes. Merci, Marc. Ben, je sens ça de même. Bon, je suis plus intelligent. C'est quoi ça? Ça, c'est. Alors, regarde comme j'ai un beau soude, mon beau soude vert. Je comprends pas. Ah, ben, le cannabis. Je prends tout. C'est un soude Adidas. C'est Adidas, genre. Okay. Ça, c'est le condo. Moyen d'acheter Adidas. C'est le condo que j'ai acheté le 1er décembre dans le quartier des spectacles. Je suis tellement heureux. C'est ta place. C'est chez nous, ça. Je trippe sur chez nous. Puis t'es au centre-ville de Montréal. Ouais, c'est quoi les rues que t'es dessus, mettons? Je ne montrerai pas ça à tout le monde. Là. Non, mais à peu près, t'es dessus sur Quartier des spectacles, proche de la place des Arts. Proche de la place des Arts. Ouais. Fait que tu parles de Saint-Laurent, dans ce bout-là? Ouais, exact. Tu vis au centre-ville, fait que c'est en passant qu'à pédale tout le temps. Tout le temps. Tu l'aimes, la mairesse? Non! C'est pas bien. C'est parce que je suis. J'aime ça quand je t'appelle devant. Ben, OK, mais c'est juste que je suis. Mais elle est pour les BCX. C'est comme ça que je descends. Ouais, mais. Elle essaye pas d'améliorer les BCX. Oui, mais ça me plaît pas. Moi, je m'en vais pas d'un. Okay. Moi, le vélo, je pars, je fais des pistes cyclables. Je m'en rends pas besoin. C'est pas mon moyen de transport. J'ai pas besoin. Tu voyages comment? Moi, je travaille de chez nous. La radio, je fais le métro, puis l'autobus, puis tout ça. Tu voyages-tu des fois comme le métro? J'ai pas besoin vraiment. Oui, le métro l'hiver à l'occasion, mais. T'es vraiment un Montréalais, toi, dans un vrai groundé. Mais Montréalais du centre. Moi, amène-moi pas à un P9, là, j'ai rien à faire là. Moi, je suis Montréalais là, dans mon quadrilatère que j'appelle. Le plus loin que je peux aller, c'est à Trois-Terre, là. En arrière de Saint-Laurent, là, moi, je suis pas là. Tu sens pas. J'ai mes places, mais je suis au centre-ville, genre, j'ai tout à une. J'étire le bras, j'ai l'univers, là. Moi, je sais pas c'est quoi prendre le char pour acheter une pinte de lait, là. C'est une pinte de lait, je vais l'autre bord de la rue. Ça, c'est mon style. Écoute, la semaine que j'ai passée avec la famille à Québec, comme d'habitude, on s'entend super bien. Ma mère a trippé, mon père est décédé maintenant, mais on était tous là. Ça fait 2 ans qu'on ne s'était pas vus parce que ma sœur est aux États, avec les frontières et tout. On s'était pas vus ensemble depuis 2 ans. Puis j'ai tout aimé, sauf une affaire qui m'a rendu fou. C'est que tu imagines qu'on a fait plein d'activités. T'es allé au chalet à mon frère, on est allé super au resto, on était, moi, genre, là, embarqué dans le char, débarque du char, embarque. Tu sais pas à quel point c'est une souffrance pour moi. Je suis capote là-dessus.
Donne-moi pas un char, je le revends le lendemain, c'est assez clair. Je veux rien savoir du trafic, je veux rien savoir de rien. Moi, je vis dans une tour, je traverse la rue, j'ai tout. Mais ça a toujours été de moi. Mais là, t'es arrivé en Porsche aujourd'hui, c'est quoi cette affaire-là? C'est pas ma Porsche. Ah! C'est vrai qu'il faut le dire, hein? J'ai de la distance. Non, je suis avec ma moto. T'as peur de la moto, j'ai emprunté la Porsche. Mais pourquoi vous avez voué ça? C'est quoi le rapport de louer une Porsche en 4 jours? J'ai une vaine image de toi, moi. Je te voyais pas, Saint-Bézic. Je te voyais d'une Porsche. Pour vrai? T'as loué ça parce que c'était comme... Oui. Ah, j'en viens pas. C'est vrai. C'est pas vrai. Okay. C'est pas vrai. Non, mais sérieux? JF, c'est sa fête. C'est sa fête hier. Hein? Puis là, il a loué ça pour 4-5 jours. Fait que là, j'ai dit, avec le podcast, JF, on va faire rentrer Marc Bonnard en Porsche. Ouais, écoute, moi, j'ai jamais connu ça de ma vie. C'est pas ma faute. J'ai vu ça. la peau! Non! Ça, non! Hein? Ce char-là, il est bizarre à ta barre, c'est pas de ma faute! Je te jure, tu le mets sur le drag, tu le mets sur le break, puis après 30 secondes, il regrette, tu sais pas pourquoi. C'est malade, c'est un char, je veux dire. Je te garantis, sur le fait podcast l'année prochaine, je t'emmène un vélo. Je te garantis. Non, j'ai trippé de le conduire. En vélo. J'ai trippé de le conduire, mais il arrête tout le temps, ce mot de char-là. Au vrai! J'aurais jamais vu ça de ma vie, moi. Des Rolls Royce, ça fait longtemps, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi, des gros chars de même, j'oublie ça, là. Le plus proche en paquet de dash, moi, c'est une Corvette. En 74. Ah, jamais parqué une Corvette. En 74. Au vrai? Okay, mais je chauffais pas, j'étais juste passager. Ouais. Mais, je t'ai dit, moi, je suis pas un gars de char non plus. Ah ouais. Je connais même pas ces chars, Max, tu savais. Au vrai? Non, moi, je connais ça. Je connais rien. Hein? Je sais même pas si c'est une Toyota ou un Chrysler ou un Ford, j'ai aucune idée. Puis quand on s'en va en char, c'est tellement drôle que ma femme, elle me dit, ah, ça, elle dit, c'est une Porsche telle année, telle ci. Puis là, elle dit, je t'ai dit, je l'ai pogné à Lorraine, ma blonde. En tout cas, puis là, elle est habituée de voir des gros chars. Puis, ben c'est ça. Fait que moi, je connais pas les chars, pas en tout. Moi, j'ai jamais eu les chars, j'en vends. Pour vrai. Ben, depuis 15 ans, moi, je suis porte-parole, puis j'ai écrit des pubs pour Groupe Saillant à Québec. C'est bizarre. Ben oui, exact. Ben moi, je connais les autos à mort. Moi, c'est pas que j'aime pas l'auto. Un automobile, j'aime ça à mort. Mais je me suis bâti une vie où j'en ai pas besoin. C'est cool. J'ai pas besoin. Sais-tu qu'est-ce que ça me fait penser, honnêtement, si on se dit les vraies choses? Oui. Pas de ticket de parking. Paye pas les assurances d'auto. Paye pas les plaques. Tu crois ce que je fais pas non plus? Je déneige pas ça, moi, un char. C'est atroce, cette idée-là, de dire, je me lève le matin, ceux qui sont sur le plateau, là, que le char est dans la rue puis qu'il y a une tempête. Pour moi, là, je suis pas capable. Je peux pas penser à ça. C'est à ce point-là, genre. Ah oui? Ouais. C'est pas. Moi, comme tantôt, j'ai trippé, là. Les chars, je trouve que c'est. Fait que ça t'a pas dérangé qu'on te mette dans le plan. Non, je trouve ça le fun. J'adore. Moi, j'aime ça conduire. J'en loue des chars. En tout cas, les filles à piscine t'ont aimé. Ouais. Ah, j'ai compté une bonne joke. C'était drôle, ça. Ah oui? Ouais, ben oui. Moi, j'ai eu un gars. T'as pas vu? Moi, j'attendais que t'arrives. Ben, tu vas le voir après. Là. Ok, va le voir après. T'as compté un bon joke? Mm-hmm. Ok, on va le voir tout à l'heure, mais que ce soit fini. Ça dure comme 20 secondes, 30 secondes max. Okay. Puis j'avais pensé à mon Si affaire. Ça valait la peine que tu nous fasses attendre toute l'équipe, c'est. Tu sais pourquoi? Non. Il y a deux. Tu parles de tantôt quand j'étais arrivé en retard. Oui. Il y a deux routes 337. Non, je te parle d'ici quand t'es arrivé en retard. Je t'ai demandé de me suivre au podcast à l'heure, votre podcast. Ah oui, puis oui. Je peux voir que ça fait effet, la Porsche. Oui, absolument. Oh. Hey, on dit... Oh! Ah, ben là! Ouh, yeah! Là, je me régale. Ça, c'était quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 21 ans. J'étais étudiant en droit, justement. Hey, tu y ressembles un peu, hein, avec la barbe et tout. Oui, ben, c'est une barbe coloriée. Oh, hein, oui, mais oui. Et ça s'appelle le Privilège Gym. Puis, il avait organisé un Halloween. J'avais organisé un Halloween en disant, hey, je vais vous faire un match de lutte. Moi puis mon chum, qui faisait Honky Tonk Mike, oh ben, cool. Et moi j'étais le Mark Showman, t'es ébloui, et j'étais avec ma copine, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Elisabeth. Oh, mais c'est Elisabeth. Je te jure. Malheureusement, j'ai pas de photo de ça. C'était hallucinant, là. Elle était comme avec toute la robe argent, avec pareil. On avait fait toute une routine, mon gars. Écoute, on avait dévissé des benches. J'ai vraiment un malade de lutte. Ah ouais. On avait mis des cadres. C'est pour ça que je t'avais demandé d'être dans Battle Royale, ça me revient. Parce que tout le monde me disait que t'étais un malade de lutte. Puis quand j'étais là, la première fois qu'on a fait, c'était mon coup de coude, hein, que tu m'as fait sur moi de Macho Man. Ça, c'est à ma fête. Le club. Ouais. Ouais, c'était où la place? Improvisé. C'était dans un club, ça? Non, c'était au musée Juste pour rire. C'était dans une salle. Oui, au musée Juste pour rire. Oui. Ouais. Écoute, il y avait 70 personnes. Moi, je m'attendais à rien. Je savais pas, là. Moi, j'allais là. C'est Jean-Michel Anctil qui m'a trické. On a passé la journée à jouer dans les arcades, tout. Puis il me dit, hey, là, je pense que je vais être en retard parce qu'il disait, j'ai un congrès, à soir, j'ai un corpo au musée. C'est normal, ça, qu'il y ait un corpo, il en faisait. Fait que là, je vais avec. Tout à coup, j'ouvre la porte.
je vois des petites chandelles, puis une foule, mon gars, dans une grande salle. Oh, il avait fait ça pour toi. Ben oui, il me piégeait. Toi, t'étais là backstage, je savais rien. Ah oui, c'est là, j'étais là. Ben oui. Fait que toi, tu savais pas, j'étais là, je m'en ai. Zéro. Je savais même pas. Je pensais que c'était un congrès que Jean-Michel faisait. C'est qu'imagine, j'ouvre la porte. Il a tout monté ça pour ta fête. Ouais. J'ouvre la porte, puis je fais. Bravo, Jean-Michel. Puis je fais, oh my God, il est en retard. Les gens attendent. Les lumières sont fermées. Les gens attendent l'humoriste, là, comme là. Et là, mon partner de l'époque, François Simard, il me prend par la main. Je fais, qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Puis il dit, toi, viens ici. Puis là, il est partois, il est MCA. Puis j'arrive. Puis là, je comprends rien. Il m'amène sur le stage. Je m'assois. Là, je vois Morancy. Puis là, tu sais, tout ça, là, ça fait, tu sais, c'est, mettons, en deux minutes. Ça défoule vite. Mais dans ta tête, c'est fou, tu comprends rien. Là, je vois que Morancy est habillé avec mon linge. Comment ça, avec ton linge? Parce qu'il est allé en cachette choisir mes vêtements les plus laids. Il avait mis des pantalons en velours cordés verts que je mettais plus, mais que j'avais, tu sais. Là, je fais, c'est mes pantalons. Tu sais, tout ça. Puis là, un jour, je vois ma famille, toute la famille, une table. Là, je comprends. Je fais, ah ben, calvaire, c'est mon 30e anniversaire. Hey, 70 personnes. C'est beau, hein? Et là, c'est une de mes plus belles soirées à vie. Je te le dis honnêtement, là, ils ont tout fait sur mesure. Ben, il y a eu des vidéos. Toute cette attention. Et là, tout à coup, toi, t'arrives avec Pierre Carl, avec ton saut de Québécoise. Là, je fais, hein? Et là, on commence à se chamailler un peu. Je te mets à terre. Vrai? Je prends la chaise. Wow. Oui. C'est pas une bonne place pour dire ça, là. Je te mets à terre, oui. Évidemment, tu te laisses faire. OK. Je plante une chaise. Je monte sa chaise, puis je me souviens, tu m'as dit, t'as fait calvasse, qu'il va me sauter dessus, mais c'est sa fête. Tu t'es dit ça, tu me l'as raconté. Non, mais je me souviens que tu m'as pas touché. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que tu m'as dit après, tu dis, moi, j'en suis pas revenu. T'as sauté dans les airs, bang, puis ça a fait comme une plume. T'étais comme un pro. Ah, je me pratiquais dans la piscine, tout. Je veux dire, c'est depuis que j'ai 10 ans, moi. T'as su absorber le corps avec les confidences? T'as su. Oh, je dirai plus rien, vas-y. Ben, je vais te dire que t'as su absorber. Ben oui, j'ai fait ça comme il faut faire, voilà. À part sur dessus le coude. Exact. Partout, à part dessus le coude que tu me dis. Moi, Jacques, là. Non, donne-moi ton affaire avant que tu le dises. Dans confidence. D'envie. OK, moi, j'ai une carrière en zigzag demain. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de ne pas choisir. Moi, il n'y a rien, gars. Tu as choisi de ne pas choisir. Ouais, c'est mon choix. Ça. J'ai dit, moi, je vais tout faire. Je vais écrire des livres, je vais devenir avocat, je vais faire du stand-up, je vais faire de la radio, je vais faire de la TV. Non. Oui, si on veut, grâce à toi, j'ai réalisé mon rêve. J'ai fait Parc Jarry comme arbitre, puis un vrai match de lutte à Verdun, c'est hot. Mais ma vraie affaire que j'aurais pas faite, c'est la carrière que tu as eue. Parce qu'il me manquait le gabarit. Mais j'aurais été un excellent. Non, il manque pas le gabarit. Ouais. Pense, je fais pas 200 livres. Hey! Je te dis qu'il te manque pas de gabarit, t'avais peut-être pas le même. T'as peut-être pas eu le bon gars pour t'entraîner. Parce qu'il y a des méthodes pour s'entraîner. Moi, on n'a jamais pris de stéroïdes. Non, je regarde, tu sais, j'ai sonné un an, puis il est encore là, mon bras. Absolument. Puis, tu sais, mon chest avec un peu. Mais il y a une manière de s'entraîner. Tu sais, on a chacun nos disciplines. Okay, ben... Puis, si je t'avais pris en main, Marc, avec la manière que tu m'avais donné un coup de coude, je te le jure que j'aurais fait un tour avec tout. Parce que ta force, là, était bien bonne physiquement, t'étais pas mal bon. Mais c'est le gift de gare. Ben, j'avais tout. T'étais bon, ces entrevues, puis plep, puis je te mettais sur le micro dans l'arène, puis t'aurais été un merveilleux lutteur, Marc. Ah, c'est un vrai compliment que tu me fais, je te le dis, parce que c'est la seule affaire que j'ai pas réussi à faire dans la vie, puis moi, j'aurais vraiment aimé ça. Parce que je suis sûr que j'aurais fait une carrière éloignée. Oh, yeah! Ouais, exactement. Une autre photo, s'il vous plaît. Ah, ça, c'est au FM 93, ce que ça représente la radio, qui est la place. Tu sais, moi, genre, je fais beaucoup d'affaires, mais il y a une place... Que t'aimes faire plus que d'autres. Au-delà de ça, qui rassemble tout ça. Tu sais, mettons, là, je fais une conférence, OK? J'ai une conférence qui s'appelle « L'humour au travail ». Plus de fun, plus de résultats. Bon. Mais ça, c'est un côté de moi. Là, je fais un podcast, c'est un côté de moi. Mais ça, tu l'as fait pour m'aider. Là. Oui, mais quand même. Tu comprends? Mais quand je suis dans un studio de radio comme animateur, tous ces côtés-là... Ils te rejoignent. Oui, ils sont tous utiles. Tu prends-tu des appels dans ton... Tu parles aux auditeurs des fois? Oui, j'ai fait ça pendant 5 ans, de la ligne ouverte. Pur et dur. Ça, c'est le fun. Ça, j'aime ça. C'est capoté, mon gars. Mais je me suis calé aussi une fois. Pourquoi? Ben, parce que du live, quand tu fais du live, tu veux savoir la vérité, moi, te l'ai dit la vérité. Ouais. Je ne suis pas sûr que tu veux savoir. Ben, pourquoi? Ben, moi, te l'ai dit. Tu m'avais blasté? Non, je ne t'ai pas blasté. Mais je veux me protéger comme il faut, que ça soit bien compris. OK. De 9h à midi, j'étais avec une radio de Québec. C'est des talk shows de 9h à minuit, là. 9h à midi ou minuit? 9h à minuit, okay, soir. Le soir. C'est 3h de ligne ouverte. OK. Puis à un moment donné, on parle de lutte. Puis là, l'animateur, de nulle part, ça fait 2h30 que je réponds aux questions. Puis tu sais c'est quoi, comment c'est stressant pareil. Il faut que tu tournes ta langue 7 fois avant de tourner. Ouais, faut que tu fasses attention, là, tu sais.
Puis le gars de nulle part, l'animateur, il m'a dit à moi, il dit « Hey Jacques, il dit, je te lance ça de même, il dit, toi les gays et les pédophiles, tu penses quoi de ça? » Il est venu me chercher, il m'a tué, il m'a tué. Mais pourquoi il a dit ça dans la même phrase? Il m'a tué, mais il m'a tué, il m'a expliqué pourquoi il m'a tué. Ben non, parce mais moi aussi, moi, non, mais attends, c'est parce que moi j'ai eu une mauvaise expérience quand j'étais jeune. Okay. Avec un gay. Okay. Qui s'est essayé sur moi. Okay. Puis j'ai toujours pensé que les gays, c'était des pédophiles. J'ai toujours pensé que les gays qui aimaient les hommes doivent aimer les enfants aussi. J'ai jamais fait la différence dans ma tête. Okay. Parce que je suis narrow-minded, puis c'est moi le cave, puis c'est moi qui n'ai pas éduqué, puis en tout cas, si tu voudras. Fait quand il m'a dit ça, moi, par instinct, j'ai répondu, oh, ben, je parle pas de ça, des pédophiles, des gays. Le lendemain matin, ça a commencé à me blaster. J'ai fait des excuses pendant 3 jours de temps, puis j'arrêtais pas, puis j'étais blessé. T'as pas idée, Marc, comment j'étais blessé. Toute ma vie, ma carrière, j'ai essayé de me faire aimer, puis là, je venais de me faire détruire, tout nu, détruit. Puis j'ai perdu ma commandite de Bel Air, les assurances Bel Air, parce que je commençais une affaire avec eux autres, comme François Morancy, comment il s'appelle le gars qui représente en tôle? François, comment il s'appelle? Maranda. Ouais. Il m'avait demandé de faire un commercial, puis ça, on m'avait tellement aimé qu'il voulait me lancer. C'est moi qui avais fait ça à Maranda, puis qui avait fait peur, qui avait fait shaker dans le commercial, puis tout. Puis ça s'en allait de même, puis là, il y a quelqu'un qui a appelé, puis il dit, hey, vous avez quelqu'un qui vous représente, qui aime pas les gays, puis qui aime pas les pédophiles. Mais même pas les pédophiles, il a juste. Il a dit qu'il a oublié les pédophiles, mon histoire à moi était personnelle, puis il a juste mis les gays. Puis j'ai tellement des amis gays qui sont le fun. Dans la lutte, Pat Patterson, il a ouvert son livre. J'ai tellement des amis, je les adore, j'ai jamais eu de problème, c'est pas ça que je visais. Moi, je visais le pédophile qui était gay. Fait que ça m'a tué. Mais ça sorti comme si pour toi, c'était un seul beau grand groupe, là. C'est ça la peur. C'est ça. Mais mon ignorance, mais j'ai payé le prix. Il y avait du monde, des haineux qui m'envoyaient, mais il y avait le monde normal aussi, là, qui me disait, genre, que si j'ai de valeur, je pensais que t'étais un gars qui a tati, puis je pensais que t'étais. J'ai vécu de la merde. Ah, j'en doute pas. T'as pas idée, Marc. Tu sais, t'as pas idée. Toi, c'est ton char, là, tes chars, qui... moi, c'est ça. Ça m'a marqué pour le sang de mes jours. Fait que là, je me suis excusé pendant 3 heures de temps. Puis finalement, j'ai eu la chance d'en parler à la vraie nature. J'ai fait de la vraie nature avec Jean-Philippe. Tu sais, je sais pas si tu connais l'émission La Vraie Nature du Canada, en bateau, t'arrives en bateau. Absolument. Puis j'ai eu la chance de m'exprimer pour la première fois aux gens que j'avais été harcelé quand j'étais jeune. Mais je me sentais qu'il fallait, je le dise. Ben oui. Parce qu'il fallait qu'ils comprennent mon état d'âme, que moi, le monde qui attaque les enfants, là, tu sais. Mais c'est un gars traumatisé qui a répondu. Là. C'est en plein, ça. Pourquoi je t'ai parlé de ça aujourd'hui? Bon, c'est un podcast, c'est ça. Mais aujourd'hui, je suis content parce qu'il n'y a plus personne qui me le remet d'en face. Non. Ils ont tous compris que c'est une erreur de compréhension. Ouais. Mais je te jure que le monde a sauté là-dessus. Hein. Hein? Puis ça m'a coûté. Oublie l'argent que j'aurais fait avec Bel Air. Ça t'a coûté ma vie. Du monde qui m'aimait et qui ne m'aimait plus. Ouais. Ça a été la pire affaire de ma vie. Comprends. Je te dis, c'est une des pires affaires de ma vie. En tout cas, as-tu un autre... Ça, c'est mon bac en droit parce que, comme je te dis, je suis très fier de mon titre. Je suis très fier de l'avoir fait. Surtout, c'est des souvenirs extraordinaires. Étudier à l'université, là, pour moi... T'as pas te le dire. Non, mais c'est ça, je t'en parle. J'ai jamais été. Mais c'est extraordinaire. Oui? Oui. C'est extraordinaire. Le cégep aussi, je pense. Non. Cégep. Si tu vas à l'université, le cégep, tu l'oublies. Cégep, c'est zéro. Attention, qu'est-ce que tu dis? Non, c'est zéro. Qu'est-ce que tu veux dire, le cégep, c'est zéro? Parce qu'il se passe rien au cégep. C'est d'abord, c'est 2 années. Si tu vas au général, là, si tu vas en technique, c'est autre chose. Tu dis, moi, je vais en. Spécialisé. Ouais, c'est 3 ans. Là, je comprends, parfait. Mais si tu vas en général, parce qu'après ça. Juste pour dire que tu es allé au cégep pendant 2 ans. Non, parce que pour aller à l'université, il faut toujours bien que tu fasses ton cégep. Ben là, mon gars, c'est 2 années perdues. Partout ailleurs en Amérique, tu savais-tu que ça n'existe pas, les cégeps? Ça existe juste au Québec. Pour vrai? Ben oui. Ailleurs, tu fais... secondaire? Eux autres, ils ont comme un secondaire 6. OK. Puis après, ils font l'université. Tu es. C'est mieux de même? Ben voyons, hein? C'est sûr. Ça fait que là, nous autres, c'est 2 années de n'importe quoi. Écoute, j'ai étudié en communication au cégep Limoilou. Je dis à tout le monde, j'ai un deck en cafétéria. C'est 0-0-0. Ça fait que là, quand t'arrives là, c'est les vraies affaires. Là, c'est les vraies affaires. Fait que t'es fier de ça au bout. Hein? Tout comme je suis très fier de ça aussi. Mes 2 derniers livres. L'important, c'est ce que les autres pensent. Ouais. Ça. Ouais. Puis ça, soyez compris. Ça fait combien de temps c'est sorti, ce livre-là? 2016-2018. Puis là, t'en as un autre qui s'en vient. Ouais, mais là, je médite tout seul, parce que c'est pas un gros mandat. L'important, c'est ce que les autres pensent. Ouais. Puis lui, ici, tu sais... Soyez compris. Ça, c'est un... Moi, là, je prétends que quelqu'un qui lit ça, tout va mieux dans sa vie. Pour vrai? Oui. Parce que c'est comment connecter... Qu'est-ce qui fait qu'on connecte avec quelqu'un? Puis qu'est-ce qui fait que tout à coup, on connecte pas tant que ça avec quelqu'un ou que tout à coup, il y a une distance? Puis c'est souvent des gaffes qu'on fait. Différence de mentalité. Non. Tu peux connecter pareil. Je suis désolé.
Hey, moi, j'ai fait un an avec Éric Duhaime. Tu sais qui est Éric Duhaime? Ça me dit qu'il... C'est le nouveau chef du Parti conservateur du Québec. Ça me dit rien. Duhaime, c'est quelqu'un de très controversé. Okay. Puis j'ai fait un an de radio avec, puis il était encore chez nous la semaine passée, puis on est allé luncher. Je suis pas d'accord avec Éric. Je voterai jamais pour lui. Mais c'est quand mais même c'est quand un même job. Un ami. Voilà. Ça se peut. Fait que t'es ça capable de faire connecté. La différence. Oui. Oui. C'est fort, ça. Ben, c'est... Ça me fait penser à quand t'es encore ami avec tous tes ex. Oui. C'est fort, ça. Comprends-tu? Fait que t'es dans un monde avancé, toi. Non. Oui, parce que tout le monde aimerait être comme ça. Ben, moi, ce livre-là, c'est pour ça. Pour vrai? Je te jure. Hey, mesdames et messieurs, là, prenez ça, ce livre-là. On peut des renouveler partout. Non. Écoute, c'est pas été un gros vendeur. Moi, je suis pas un gros vendeur. J'étais un gros où est-ce que le monde peut s'en procurer un? C'est sur le site des éditions-là. Sur ton site à toi, peuvent tu aller voir? Oui, MacBoilard.com. MacBoilard.com. Exactement. Moi, c'est facile pour moi. MacBoilard.com. Je vais le lire. Je te promets mon livre. Si tu écoutes Dark Side of the Ring avec Dana McKinn, moi, je vais lire ton livre. Très bonne idée. J'aime ça. Très bon livre. On va se rapprocher. Très fort. On a-tu d'autres choses? Ça, c'est parce que ma moto, pas celle que tu as vue, mais la première, elle a fini sa carrière en Floride. OK. J'ai fait de la moto en Floride, je l'avais plaquée là. Je l'ai plaquée là. Puis je l'ai vendue là. Tu sais, elle est allée mourir en Floride. OK. Et mon gars fait de la moto en Floride, là. J'en ai fait, mais je chauffe avec les vieux qui s'apposent, qui s'en vont. Les klaxonnent partout. Je m'en claque. Qui te rentrent dedans, puis ils regardent pas avant de tourner. Non, c'est pas moi, ça que tu veux dire. J'ai traversé à Naples. Okay. Ah oui, Alligator Alley. Oui. J'ai fait Miami, puis tu sais, je faisais ça, c'est une belle route quand tu t'en vas sur la 84, tu sais, la 75, rendu par l'aéroport de Fort Lauderdale, puis tu piques la 675, puis tu t'en vas direct à côté, le gars du Mexique. J'étais allé à Orlando, parce que Mike Ward, son condo est à Orlando. J'étais allé quelques fois chez Mike en moto. C'est 4h30 quand même, c'est une bonne ride. Okay. Mais ça fait que quand j'ai repris des photos chez nous, tu voulais des photos, j'ai fait « Ah, je vais montrer… » Tu parles-tu à Mike Ward encore? Ben oui. Oui? Ben oui. Tu diras « Je vais l'avoir dans mon podcast ». OK. Ah oui, je suis sûr qu'il va pleurer. C'est vrai, message. Non, il m'avait dit oui, mais pas de suite. Ah. Il m'avait dit oui, mais pas de suite. OK. Mais je vais y en parler. Oui, il fait une prise. De toute façon, il va écouter ça. Oui, il fait une prise. Oui. Ah, je vais le menacer de faire une souplesse. C'est souplesse ou genre, qu'est-ce que tu veux? Parfait. Hey, je suis allé faire une couple de ses affaires, lui. Il m'a invité sur ses shows, lui. Puis dans son... Je suis allé les faire. Fait que Mike, oui, il cite. Exact. Ça presse. Tu l'appelles. J'ai des affaires, je vais te parler. Ouais. Hein? C'est bon. On y va. Ça, c'est quoi? Ça, évidemment... Non, mais ça, on n'en parle plus. Ça, c'est le show que j'ai fait en 2007 à Montréal. Je me suis promené dans quelques fois. Et c'est un peu ce show-là que j'ai présenté à Paris. OK. C'était un show où est-ce que... C'était très interactif. C'était tout basé sur, justement, un peu tout le stock de jokes, de drag, etc. Puis j'arrivais à Paris en disant, je vais vous montrer comment ça... J'étais un peu comme le gars de Testo. Puis eux autres, ils raffolaient de ça. Les Français, tu vas leur rentrer dedans. Beaucoup moins susceptibles que nous autres. Fait que mon show en France, ça s'appelait « Un Québécois qui vous veut du bien ». Ah! Tabarnouche! C'est des petits cousins de Québec! Exactement. Puis là, je leur disais, bon, là, je vous ai vu aller zéro, ça fait que je débarque puis je vais vous montrer comment ça marche. Tout eux autres, ils se tapaient ses cuisses, tu sais. Parce que j'ai une affaire que j'ai compris à Paris. Notre accent, ils trouvent ça drôle il l'adore. En soi. Il l'adore. Alors que nous autres, c'est l'inverse, genre. On l'haït. Non, c'est pas qu'on l'haït. Ben, moi, être franc avec toi, moi, des trucs, des machins, des gamelles, je comprends rien quand moi, là. Moi, ouais, mais... ils parlent un français complètement différent. Là. OK, mais dis-moi si tu valides ce que je pense qui est le problème. Pas c'est qu'on associe leur accent avec des gens de l'élite. Snob. Oui. Merci, Jeff. Voilà. Trouves-tu ça drôle, quelqu'un de snob? Non. Ça fait que les humoristes français, c'est tough. Parce que c'est comme si leur accent, ça crée une distance. On les voit comme... Mais eux autres, ils aiment notre accent. Ouais, écoute, pour nous autres, on est tous des gros campagnards. Fait que parle-moi comment t'as été reçu là-bas en spectacle. C'était bon? Fantastique. Pas vrai? Ah, c'était extraordinaire. Hey, moi, j'ai lutté à Bercy. Je sais pas si tu connais ben Bercy oui, pendant ben que tu étais oui. là. Je suis allé à l'aréna. Ben d'ailleurs, regarde, c'est où ça, tu penses? C'était à Bercy. C'était à Bercy. Hey, j'ai lutté là, moi, je suis au Canal Plus. On faisait Canal Plus à TV dans le temps. Oui. Là, puis j'étais là pendant 10 ans de temps, j'ai voyagé partout. Ah ouais. Puis j'ai lutté là à Bercy, c'est bon. Beau, hein? Ça s'appelle le Accor beau. Arena maintenant. Mais nous autres, ah oui, ça a changé le nom. Accor Hotel, ouais. Sûr. OK. Ben il est commandité. Puis nous autres, la reine de lutte était ici. Ouais. Ah, c'est tu sais quoi ça? Ben groupe de symphonie, d'un orchestre. Ennio Morricone. Qui est non! Tu connais? Je connais plus que toi. Ben voyons donc. Je te dis, bouge pas. OK. Exactement. Il m'a te chanté, il m'a te chanté quand son père est pendu. Là. Oui. Quand son père est pendu avec Charles Bronson. Oh.
tout. Oh, les Clint Eastwood, Charles Bronson, bébé. J'ai vu un concert de New Morricone, c'était un de mes grands rêves, genre. Oh, moi, ça me dit son harmonica, puis c'est tout son orchestre. Mais je peux toujours dire de quoi? Tu connais la phrase « La perfection n'est pas de ce monde » Non. Ben, je viens de te l'apprendre. Oui. Une phrase qui dit « La perfection... » Il n'y a rien de parfait. Ouais, sauf un concert de New Morricone. Non! C'est la perfection, mon vieux. Il n'y a pas une note qui n'est pas comme l'album. Le son était hallucinant. Moi, je pensais qu'il faisait juste de la musique des films, moi, New Morricone. Oui. Mais il faisait des concerts aussi. Ben oui, de sa musique de film. OK. C'est un moment... Regarde, c'est dans mon téléphone. C'est comme une photo, genre, si tout à coup je meurs, là, je vais regarder ça, là, je vais me dire, hey, j'étais là. Oh, ah oui, je te jure. Puis en même temps, c'était à Paris. Tu sais, mon histoire avec Paris, moi, c'est spécial. Comme je te dis, c'était mon grand rêve. 50 ans, j'étais allé 3 fois par année, à mes frais. Pour essayer de te booker quelque chose. Exact. Faire du PR. J'avais des rendez-vous. Vendre la déco. Sacré. Oui. Puis un jour, j'ai fait une audition, je m'en souviens, c'était en juin 2008, dans une petite salle qui s'appelle Les Blancs Manteaux. Puis un dimanche à 4 heures, il y avait 8 personnes. Tu auditionnais pour quoi? Pour jouer là. Comme humoriste? Oui. Fait que tu venais faire un numéro devant le groupe qui décidait. C'était mon show complet, ça a duré 50 minutes. 8 personnes, un dimanche après-midi. On peut pas dire que c'est les belles conditions. Quand ça a été fini, la directrice, la boss, est venue me voir. Je me suis dit, bien, elle m'a frappé sur le chest de même. Tu sors de où, toi? Ah! C'est bon! J'ai fait comme, c'est OK, bon. Il s'est passé de quoi? Ah, là, on s'est fait un deal. Wow! J'ai fait, OK, moi, j'y vais, c'est mon rêve. J'ai payé ma salle. Wow, wow, j'ai débarqué wow. le 4 janvier. Puis je suis resté. J'étais supposé rester 3 mois, puis je suis resté 1 an. Puis wow. j'ai vécu quoi, mon vieux, là, de comme wow. C'est beau, hein, aussi, le canal, là, où les feux d'artifice. Je courais là tous les jours. Comment tous ça s'appelait, jours. Le canal? Ben, donc, la Seine. La Seine. Ben oui. Puis après ça, j'étais allé. Ouais, c'est fou, hein. Ah. Puis à 10 heures le soir, toutes les tours, ah. allumaient les flashs dans la tour. C'était spécial. C'est inoubliable. Hein. On a-tu d'autres choses, JF? Parce que moi, j'ai une surprise pour lui. Là. Fait que ça, ouais, c'est fini? Ça, c'est mon prochain livre. Ah, oh, ben oui, good. Celui-là, okay, celui-là je le lance début septembre. C'est un tout petit livre, 55 pages, parce que j'ai 55 okay. ans. Okay. J'en ai 27, wow. puis je vais le finir à New York. Tu fais souvent des attachements avec des choses de ta vie. Hein? Tu sais, comme tu fais référence. Comme ouais. là, ouais. 55 ouais. ans, puis t'as 55 pages. Ouais. Parce que j'ai fait... C'est beaucoup d'ouvrages pour moi faire ça. Puis j'ai fait, j'aimerais s'en sortir souvent, mais je vais y faire plus court. Tu sais, avec Internet, on fait ce qu'on veut maintenant. Oui. Avant, il y avait des formats de tout. Tu sais, des podcasts, je fais ça avec mon iPhone, là. Ça dure des fois 25 minutes, des fois 9. Donc, tu n'étais pas en studio quand tu fais ton podcast? Pas en tout. Je suis dans mon salon, mon vieux, je pars une petite musique, je mets mon téléphone de même. Voyons. Je te le dis, tu vas pas être plus bas. C'est homemade. That's it. Puis personne ne me dit ton son n'est pas bon. Ah, oh, c'est bon. Comprends-tu? Moi, je vois du monde qui s'équipe en podcast. Ça coûte pas cher. Comprenez, les gars de techno, ça coûte pas cher! Non, mais quand tu veux, oh. peu, c'est en audio. Quand tu veux faire du beau vidéo, ça prend du monde de main. Toi, t'es équipé, mon gars. J'ai tout le paramé. Ah oui, t'as tout ce qu'il faut. Mais, c'est ça, donc, je t'en ai parlé tantôt, puis je vais sortir ça. J'ai fait moi-même la petite couverture de même, puis ah ouais, let's go. Bravo. Marc, on pourrait jaser. J'ai une belle surprise pour toi. Je vais mettre mon code. Ouais, mets donc ton code. Une belle surprise, parce que tu le mérites. Pour vrai? Tu le mérites. Ce qui va t'arriver, tu le mérites, puis je pense que le monde entier devrait le voir. C'est malade. Puis on va faire ça. C'est malade. Hein? Ben, je suis vraiment content. Pas vrai? Ouais, mais tu poses les bonnes questions, c'est ça que je trouve. Arrête-donc! Mets-toi là! Hey! C'est vrai! Comment ça va, Marc? Cédric Rougeau, bataille royale. Cédric Rougeau, que j'avais quand... Oui, quand j'avais 8 ans, là, tu sais, quand tu passais à grand bas de la rue. Oui, Cédric, je suis content que tu te souviennes de ça, c'est un beau souvenir, parce que c'était beaucoup Jacques qui m'avait dit de faire ça. Marc, fais-toi-en pas, je vois que t'es nerveux un peu. Hey, c'est de la lutte. Man, t'étais arrangé. Ça faisait partie du show. Oui, je le sais, mais je veux pas qu'il pense que je t'ai... Mais je dois t'avouer que, Marc, j'ai toujours voulu livrer ce sport avec toi. Ben, sympathiquement. Oh, oui. Oh, good. Ouais, tu good. Il y a peur. Ah, ben, il y a une prise de soleil. Pourquoi? Hey, les boys! Powerbomb, tu sais quoi? Oui, je connais tous les prix. Powerbomb. Tu veux me faire un powerbomb? Oui. Pourquoi? Je peux monter là et faire une descente. Ah, mais tu vas tomber d'aussi haut. Ça va être parfait. Tu vas me faire un powerbomb? Enlève ton manteau, Marc. Let's go. Là. Ça va être le fun. Ah ouais, tu vas adorer il ça. Tu vas me faire smoke, là. Smoke. OK, smoke. Tu sentiras rien. OK. Et après, tu vas me faire essaye de mettre là. Je te fous dessus. Ah ouais, c'est cool. Tu vois, il n'y a rien là. Fais-moi dire un petit peu. Juste.
Vous savez, je suis Québécois, mais j'aime bien les tropiques. C'est pour ça que j'ai acheté mes tiquis chez Sol Tropical à Saint-Roch-de-Lachigan. Un produit 100% québécois, 20 ans sans perdre sa couleur et une espérance de vie de plus de 50 ans. Vous pouvez faire comme une cuisine extérieure, votre chambre d'invité ou même votre propre podcast. Ici Jacques Rougeau. Faites comme moi et amenez le soleil chez vous avec Sol Tropical. La vie est tellement plus belle.